Ah, messieurs, bonsoir. Venez, 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 mon petit Paul. Wow. Oh, voici ça. Attends, j'ai appris. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans Quelle Époque. Merci Paul, on est bien tous les deux là. Je suis pas sûr que le public soit chaud. Est-ce que vous êtes chaud le public? Ouais. Okay, c'est la dernière de la saison. Depuis le début, vous me dites j'ai envie d'être à la table. C'est vrai. J'ai que envie d'être qu'on soit tous les deux à la table. C'est vrai. Et donc voilà, je vous exauce. Non, vous avez rien compris. J'ai dit j'aimerais qu'on fasse un dîner, qu'on soit tous les deux à table. Ah, j'ai pas bien compris. Rien à voir. J'ai pas bien compris. Bon, vous restez avec moi pour le sommaire. Allez, ça, je me fais. Émission spéciale. On y va. Quelle époque, saison 1, épisode 34. Et voici le sommaire. Il a été l'invité permanent de Quelle Époque toute l'année. Mais il est ce soir notre invité très très spécial. Il est accompagné de son complice de toujours avec qui il a révolutionné la télévision dans les années 90. Avec Ciel Bon Mardi ou encore Coucou C'est Nous, on ne pouvait pas finir cette saison sans reconstituer le duo culte de la télévision. Christophe de Chavannes et Patrice Carmousse sont réunis ce soir dans Quelle Époque, mesdames, messieurs. Ils sont beaux, ils sont drôles et ils ont enflammé la télé et la radio cette année. L'homme qui ose tout et à qui on pardonne tout chaque semaine dans Quelle Époque et son pote qui sévit tous les soirs dans C'est à vous, qui se cache derrière les deux humoristes qu'on adore, qui sont vraiment Philippe Cavrivière et Bertrand Chamerois. La réponse dans quelques instants. Elle est une animatrice télé ultra populaire et elle s'essaye aujourd'hui au stand-up. Dans son spectacle, Valérie Damido s'expose. Elle nous dévoile les coulisses de la télé, mais également les coulisses de sa propre vie. Valérie Damido dit tout sur scène et ce soir, dans Quelle Époque ? Et puis, il y a un an, Antoine Aleno perdait la vie dans un tragique accident de la route percuté par un chauffard qui était drogué et alcoolisé. Un drame qui a ému toute la France. Depuis, son père, le grand chef Yannick Aleno, se bat pour faire changer la loi et aider les victimes. Il a créé une association, il nous en parle tout à l'heure. Yannick Aleno est dans Quelle Époque ce soir. Et puis restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission parce qu'on va vous faire découvrir un des magiciens les plus fous et les plus spectaculaires du moment. Un être effrayant, tout droit sorti d'un film d'horreur. Il s'appelle Clek Anthos et il nous prépare un tour de folie, je vous le promets. Et je sens que Christophe va flipper. Et justement, on accueille tout de suite, mesdames, messieurs, le duo le plus culte de l'histoire de la télé. Christophe de Chavannes et Patrice Carmousse. On accueille également deux humoristes qui enflamment la télé et une animatrice télé qui monte sur scène, mesdames, messieurs, Philippe Cavrivière, Bertrand Chamerois et la dernière, vous êtes tous les deux invités avec vos potes. Voilà, ah, on a fait comme ça. Bah, c'est cool. Léa, il n'y a pas l'autre con qui fait les chroniques? Non, il est pas. Ah ben bah non, c'est moi. Oui, oui, c'est moi. Ah, j'ai cru que vous parliez de Paul. Ah non. Oui, Léa, aussi. Gratos. Moi aussi. Oui, si, vous avez compris pareil. Ça va, Valérie? Moi, ça va, tranquille. Ouais, vous êtes contente d'être là ce moi, soir? Moi, je suis ravie d'être là. Ouais. Bah, imagine, elle te dit, non, franchement, ça non. Me fait chier. Ça me fait chier. Bah non, en fait, non, je les connais tous. Bah, donc, on a tous travaillé ensemble à des moments différents de nos vies, donc non, c'est bien. Mon Christophe, oui. Depuis le début de la saison, oui. J'ai un rêve. C'est un peu particulier pour moi de me trouver là, je vous le dis oui, tout de suite. Hein. Oui, voilà. Mais bon, vous êtes notre invité très spécial, vous avez accepté, c'est super. Oui. Et surtout, on avait envie de reconstituer la Ligue dissoute, quoi. Oui. Dissous, c'est pas cher. Oh, dissous, oui. Non. Ah, t'as mis, il allait le dire, ce con. Qu'est-ce que ça vous fait d'être tous les deux, là? Vous êtes quand même. C'est le duo, quand même, qui a révolutionné la télé pendant 10 ans. Oui, enfin, c'est ce qu'on nous dit, mais enfin, oui. Bon, faut pas exagérer non plus. C'est pas vrai, on en fait trop, vous c'est pensez. C'est surtout moi, quand même. Oui, surtout lui. Moi, j'ai pas. Non, c'est vrai, il y a raison. Non,
Je pense que les meilleures choses que j'ai faites, enfin, parmi les meilleures choses que j'ai faites dans ma vie, Patrice est à côté de moi. Et il est vrai que toute la période que les personnes d'un âge certain connaissent ici, façon c'est le mon mardi, coucou, tous les primes, la soirée de l'étrange. La ferme, non. La ferme, c'est les motifs, oui, si, on peut en parler. Ah bah si, ouais, ouais. Si, parce qu'on a fait d'une télé-réalité un truc qui était un peu autre quand même. Un peu marrant. On s'est même fait engueuler. Oui. Pourquoi? Bah parce qu'on a fait des cons. Un soir, en fait, on a décidé qu'on allait se grimer comme les invités. Moi, je me suis mis en Régine, je crois, et quand je me suis vu dans la glace, j'ai dit « putain, ma mère ». Et Patrice était en... J'étais en talon haut, mais je ne sais plus qui c'était. La baronne. C'était voilà, une voilà. des invités. Et on a fait l'émission, et j'ai eu un coup de fil du patron de TF1, qui s'appelait Étienne Moujotte, qui m'a défoncé, mais en disant « mais vous décrédibilisez le programme ». Et donc, on a dit « je suis désolé, ok, on arrête, pardon ». Le lendemain matin, moi, j'ai les chiffres à 9h02, et je vois pouf, une grosse audience. Et à 9h30, 10h, j'ai un coup de fil. « Oui, c'est Étienne, oui ». J'ai dit « écoute, non, c'est moi qui l'ai appelé ». Je l'ai appelé, j'ai dit « écoute, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi, t'as raison, on arrête de faire les cons avec... » Mais pas du tout. J'ai jamais vu ça. Et ça a fini. J'ai dit si, t'as plus raison. Jamais de déguisement. J'ai réfléchi, franchement, c'est pas bien, c'est pas cool pour les invités, ça dégrade un peu le programme. Non. J'ai dit si, on va arrêter. C'est un ordre, tu continues. Vous connaissez la règle du 9h du matin, Valérie. Ah bah bien sûr. C'est-à-dire que, amis téléspectateurs, vous connaissez pas cette règle. Le soir, le patron, il regarde l'émission, il te dit bravo. Juste. Mais t'es, t'es un génie, moi. C'est arrivé ça, oui. Oui, et en fait, là, c'est à 9h du mat' que t'as les félicitations. Que tu fais de la merde. C'est quand on a les audiences, en fait. C'est les audiences. Si les audiences sont bonnes, c'est toujours génial. Si les audiences sont mauvaises, c'est toujours ta faute. De toute façon, c'est vrai, c'est la règle. Votre arrivée sur Quelle Époque a été le comeback le plus réussi de cette saison. C'est marrant, il y a une mouche à l'époque. Il y a une mouche que ça. C'est la dernière, on va dire ça. On n'a qu'à voir les unes de presse que ça a fait. Je sais pas, vous avez fait la presse de même Télérama, Libé. Et alors avec ce titre que vous détestez à chaque fois, amis journalistes qui fêtent des portraits de Christophe de Chavannes, évitez ce titre-là, parce que ça le rend malade. Mais c'est marrant. Ça aurait pu être Coucou, c'est mou. Non, parce que c'est avant. Pas mal, Non, c'est parce que j'ai affaire à... Là, en l'occurrence, on a des journaux intello, et il n'y a, a pas eu que. Et y a eu, non, il y a tout. Coucou, c'est lui. Coucou, c'est encore lui. Coucou, c'est relui. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien. Mais pour les moins de 35 ans, les mecs, ils disent pourquoi ils disent tous la même chose. Vous allez nous raconter votre rencontre, mais d'abord, je voudrais juste que vous voyez, parce que la première télé de Christophe de Chavannes, il débarque à la télé, c'était... Ah oui. Oh là là. Ah ouais, c'était en 1984... Et vous allez voir, là, c'est pas hyper détendu. C'était Super Défi, vous vous souvenez ? Ah bah ouais. Bonsoir. Bonsoir, Super Défi. Super Défi, c'est un nouveau jeu. Le déroulement, très simple, je vous plante le décor. Du lundi au vendredi, les membres de deux familles vont s'affronter. Deux familles, deux générations, parents, enfants, qui vont s'affronter donc dans toutes les combinaisons possibles. Prêt pour le chrono ? 3, 2, 1, c'est parti. Jean-Charles, c'est parti, ton laser va arriver tout de suite. Le voilà. 3 secondes. Boum, déjà un premier vaisseau d'abattu, puisque ce sont des abeilles, des libellules ou bien même des coccinelles volantes. Nous ne le savons pas, nous ne le saurons jamais. C'est quoi ce truc ? C'était en 83, ouais. En été 83, et c'était catastrophique. quand je suis arrivé, c'était rigolo, parce que le producteur, qui était le fils d'un grand réalisateur de cinéma, et arrive sur un plateau, j'avais jamais fait de télé de ma putain de vie, et il y avait des camarades, machin, ça. Ils disent, bon, tu vois comment le truc ? Je dis, bah, écoutez, je sais pas, je pourrais peut-être me mettre là, mettre une caméra là, là, voilà, voilà, voilà. Et donc, franchement, commenter ça en voix off. Mais c'est-à-dire, j'avais une voix de merde, hein, je trouve. Mais c'est très compliqué. Enfin, non, moi, je trouve pas. Il se passe rien, en fait. C'était atroce. Mais c'était avant le Tour de France, donc ça durait quelques minutes, et ça faisait 8 millions. Heureusement qu'il y a eu. Tout ça après qu'on ne s'est pas arrêté sur cette première émission. Ah, c'est ça, et c'est qu'on bien. Qu'on vous a donné votre chance et qu'il y a eu ça. Mesdames, messieurs, bonsoir. Est-ce qu'Ariane a dit quelque chose à notre public ? Regardez la petite. Oui. Oui. Ah oui, confortable.
Vous m'emmerdez, monsieur, je vous le dis très gentiment. C'est très exagéré. Je vous ai reçu une fois dans une émission de radio. Si j'avais pu suspecter que vous aviez ce tempérament et cette attitude, mais je vous promets que je ne vous donnerai pas monsieur... la parole, car vous êtes intolérant. Asseyez-vous, non, vous partez. Monsieur, non, monsieur, vous allez me mettre dehors physiquement. Pour conclure, merci. Le monsieur en question avec qui vous vous engueulez, vous lui dites partez, etc. Bon, déjà, ça, à la télé, il n'y aurait plus ça aujourd'hui. Mais est-ce qu'on pourrait faire ça aujourd'hui? Coucou, c'est nous, Ciel Montmardi, aujourd'hui. Moi, il y a un gars spécialiste de télé qui n'est plus en métier aujourd'hui, mais qui était quand même un type important dans la télé, qui m'a dit un jour à déjeuner, on pourrait plus faire coucou. C'était il y a 10 ans. On pourrait plus faire coucou aujourd'hui. J'ai dit, non, tu dois confondre, tu dois parler de Ciel. Non, on pourrait plus faire coucou, c'est nous. Il me dit non, tu pourrais plus. Mais coucou, c'est nous, quand il y a Patrick Timsit qui arrive, qui dit ah ouais, moi j'ai perdu 6 kilos en 10 jours, enfin j'ai perdu surtout 5 kilos de couilles à 19h en direct avec les mômes devant la télé. Oui, effectivement, aujourd'hui, no way. Ouais. Mais même quand je faisais La Famille en or, il y a des mères de famille qui m'écrivaient en disant j'interdis à mes enfants de regarder la Famille en or parce que vous parlez comme un Chartier, ou voilà. Voilà. Grossier, mais jamais vulgaire. Et Ciel Montmardi, je crois qu'on ne pourrait plus le faire parce que le rapport des gens à la télévision a changé. À l'époque, c'était quelque chose, la télévision. Enfin, c'est toujours quelque chose. Mais je veux dire, les gens ne savaient pas, ils n'avaient moins les codes aussi de la télévision. Donc, on pouvait faire des débats assez violents, assez. Parce que les gens venaient à la télé, ils ne savaient pas très bien à quoi, comment ils seraient. Et puis, il y a des règles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit. Aujourd'hui, tout le monde connaît les codes de la télé, quoi. Non, mais surtout, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et il y a les réseaux sociaux, ouais, absolument, qui ont absolument tout changé. Non, vous n'êtes pas d'accord, Valérie? Si, aujourd'hui, tu ne peux plus rien dire parce que tu as un bad buzz. C'est fini. Quand on a fait la 100e, qui était de Mardi. On va la voir. C'était génial avec la Ligue d'impro, c'était super. Mais aujourd'hui, tout de suite sur les réseaux sociaux, il y aurait quelqu'un qui aurait reconnu un acteur qui a dit que aurait dit c'est parce une que la centième, de Ciel Montmardi, ça c'est votre idée, je crois, Patrice, c'est ça? Oui. Votre idée, c'était donc de faire une émission comme si dans un été. Non, en fait, on cherchait une idée pour la 100e. Il se trouve qu'on venait de se faire défoncer par Paul Lefebvre, je crois, c'est son nom, qui était un éditorialiste du 20h, qui était chez Guillaume Durand sur la 5, qui pendant 7 minutes nous a déchiré en disant que la Trash TV, la télé poubelle, était arrivée en France et qu'elle était représentée par Ciel Montmardi. Parce qu'on venait de faire l'émission justement sur l'extrême droite. Et où ça s'était battu, puis, et c'était une bagarre et générale. Il y avait aussi des gens d'extrême droite, il y avait des gens de Cude, il y avait des policiers hors service, il y avait des gens armés. Armés qui étaient là pour. Moi, je me souviens de cette émission où vraiment ils se sont mis sur la gueule. Ouais, c'était extrêmement violent. Et comme ils se sont mis sur la gueule, Paul Lefebvre et puis la 5 ont dit mais c'est quoi, c'est de la télépoubelle est arrivée en France, donc on s'est dit et pour la centième, on va faire de vraies télépoubelles. Et pour la 100e, moi j'étais dans mon bureau avec Renora, Michel Field et Patrice, comme d'habitude, pour essayer de trouver un thème, c'était dans 3 semaines, un mois, et j'ai dit pour la 100e, il y a des idées qui passaient, puis tout d'un coup j'entends une voix toute pourrie qui dit dans un coin et si on faisait une fosse? Oups, qui a dit ça? Lui. J'ai dit on va faire ça. Et après et j'ai voulu faire. On va voir ce que ça donne. Voilà. La fosse. De mon fils de 6 ans, et il lui a demandé, dit, le monsieur qui est là, c'est ton papa? Vous lui avez dit ça, monsieur? Mais vous êtes horrible! Vous faites votre travail d'une manière inconcevable! Et vous savez ce qu'il m'a répondu, votre s'il vous plaît? Il m'a répondu, non, c'est pas mon papa. Mais il y a Monsieur, pour la 100e, on a voulu vous montrer quelque chose qu'on n'aurait jamais fait, normalement. Alors je vais vous présenter... Mais qu'on a fait. Qu'on a fait quand même. Mais les gens qui sont autour de ce canapé, vous les avez vus tout à l'heure. Et je vous demande, mesdames et messieurs, de les applaudir très très fort. C'est la Ligue d'improvisation française. Moi j'ai C'est quoi l'idée en fait? L'idée, c'était quoi, le message? De une émission assez merdique, assez dégueu, pour, puisqu'on en était accusé, ce que nous n'avions jamais fait parce qu'on s'était toujours refusé de faire certains thèmes, je sais pas, l'inceste, les violences, les machins. Là, il y avait le mari, la femme, l'amant, le monsieur qui était venu faire... Il y avait le playboy qui, en fait, était un homosexuel, voilà. Qui est venu se faire balancer par un mec qui a téléphoné en disant « Moi, j'aimerais bien venir dire quelque chose, parce que ça arrivait souvent, c'est le Montmardi. » Après, le playboy qui est traité d'homosexuel me dit « Mais c'est pas moi. » Je dis « Mais monsieur, on accepte votre bisexualité, il n'y a pas de problème. » Le mec me frappe, après, il s'en va, enfin... Et c'est une mise en abîme de l'émission. Voilà. Et quand je suis rentré chez moi, j'avais un message d'un monsieur qui s'appelait Yves Morosi et qui m'a dit « T'es vraiment un enculé, qu'est-ce que tu fais avec notre métier? On a un beau métier, tu fais de la merde, t'es plus mon copain, je vais plus jamais te parler. »
Et rebip 10 minutes après, t'es vraiment un enculé, tu nous as tous eu. Paul. Juste, c'est peut-être l'occasion de dire la vérité aussi. Sur la toute première, ton engueulade avec Mélenchon. Il est pas... Attends, pause. Il est pas content. Pourquoi? Non, j'ai il rien pas... dit. J'ai rien dit. On, voit que a... Paul. On voit que Paul en split screen. Non, c'est très bien. On voit une jolie fille à côté. Mon Dieu, elle se place pas du tout au bon endroit. Vas-y, Paul. Non, la première... C'est la fille de Christophe de Chavannes. Mais taisez-vous. Allez. Maintenant, vas-y, t'es grillé. Est-ce que tu veux vas-y, dire vas-y, Paul. Ok. Bah, c'est non, ça va être dur maintenant. Pardon ? Non, ça va. La télé, c'était pas du tout votre terrain de jeu. Du tout. Quoi. Et quand il vous propose d'aller bosser avec lui, vous hésitez ou vous y non, allez ? Non, mais c'est pas bossé. La première fois, il m'a proposé de faire des chroniques dans, une fois par semaine dans l'émission que faisait l'après-midi. Donc j'étais faire ça. T'as un petit peu hésité quand même. Un peu hésité. Et puis mais pour moi, la télé, c'était pas très sérieux. Donc j'ai fait ça pour m'amuser, quoi. Donc c'est, ouais. Et je trouvais ça très amusant. Mais j'avais pas non plus, moi, le j'étais un peu, je parlais des gens qui participait à Ciel Bombardi tout à l'heure, mais moi non plus, je n'avais pas mesuré l'impact de la télé. C'est-à-dire que je n'avais pas mesuré que tout le monde, que l'image que j'aurais, c'est le mec maladroit qui rate tout, etc. Ah, ça, c'est le mec maladroit, on va voir tout de suite. Parce que les gens ne savaient pas que son côté brillant, cultivé à mort, un des plus brillants et cultivés que je connaisse, hyper intello, littéraire. Non, mais en même temps, voilà ce qu'ils voyaient, les gens. Donc, tout de suite, ça ne se voyait pas, le côté intello. Regardez. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Et nous allons rejoindre immédiatement, mesdames, messieurs, Patrice Carmouze. Toujours le même petit sourire. Et une fois que vous avez pompé, mettez ça dans la bouche. Ah non. Si. Si. Ah, merde. Mais non. Vous n'avez pas essayé avant? Si. Et ça marchait? Non. Attendez. Jamais. Parce qu'il est maladroit. Plusieurs explications. Jamais ça marche avec vous. La première, c'est que comme je m'occupais un peu du reste de l'émission, je n'avais pas tellement le temps de m'occuper de ce que je montrais avant de... Alors, je découvrais souvent en direct. Et donc, je ne savais absolument pas comment... Et puis, ça ne m'intéresse absolument pas, surtout. Le mec, il faisait ça, hein. Je vous signale que premier vélo électrique du... Oui, du première fois qu'on a montré vélo électrique. Dans le monde. Worldwide. Hein. Ouais. Non, c'est vrai que c'est la première fois que j'ai fait ça, c'est parce qu'il y avait une attachée de presse, je crois, de la Foire de Paris, qui est venue me voir avec des objets. Et je me suis dit, tiens, je vais faire ça parce que, comme ça ne m'intéresse pas, ça peut me faire un truc rigolo. Et après, c'est vrai que je me suis aperçu que ça marche ou pas, c'était encore plus marrant quand ça ne marchait pas. Et ça pouvait... Et par exemple, une fois, je sais que je montrais des chaussures comme ça, et il y avait les fabricants des chaussures qui étaient au premier rang. Et je montre les chaussures à Christophe et à l'invité, et je dis, comment vous trouvez mes chaussures? Et ces abrutis disent, ah, chier. Et je voyais la tronche des mecs au premier rang. Non. Ils sont là, hein, comment vous trouvez mes chaussures? À chier. Et bien après, les gens étaient très contents. Ils voulaient revenir. Et aussi, un jour, il avait présenté le premier vélo pliable, et c'était un vieux monsieur, pauvre, gentil comme tout, un inventeur, qui avait fait ça. Moi, j'ai ignoré tout ça, je l'ai su tout après, même pas le jour même. Et le monsieur lui a fait une démo, tac, la selle. Il voulait qu'on présente bien le truc, donc il avait voulu que je voie avec lui comment remonter le vélo. Ça s'appelle une répète. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit. Et donc il l'ouvre, machin, il tire, le monsieur regardait, il tire, puis tout d'un coup ça vient, bam. Et il lui pète toutes les dents dedans. J'ai casé deux dents. Et donc il en avait rien à foutre, comme le reste. Et non, il avait
il arrive en plateau. Moi, je ne suis pas au courant que le monsieur était denté. Donc, il arrive en plateau et le mec, il fait le vélo, tac-tac. On dit, ah, super, bravo, machin, ça. Et après, donc, il y avait un peu panique en coulisses parce que le mec ne voulait le pas mec lâcher son attention. Le mec, il saignait quand même. Il y a sur le plateau. Et Patrice revient et il lui rend le vélo. Il dit vraiment, et le mec lui fait, merci, merci. Mais sinon, un jour, il y avait une chèvre, on lui a amené une chèvre, parce qu'il présentait des animaux. Il m'amenait, il venait. Parce que moi, en fait, c'était mon conducteur vivant. C'est-à-dire qu'en fait, j'arrivais pas longtemps avant, je faisais Patrice, ah, maintenant, on va parler de ça. Et après, je m'amusais, un peu comme je fais là, je parle trop, je suis trop bavard. Et il devait amener une chèvre. Et la chèvre était un peu récalcitrante, parce que sur la mélanine, non, le truc là qui brille par terre. Je crois que l'interview, c'était Sigourney Weaver. C'était Sigourney Weaver, mais c'est pas elle, la chèvre. Non. Non. Et la chèvre ne voulait pas venir. Donc moi, je dis, appelez le professeur Klein, qui était le vétérinaire que je connaissais. Un grand vétérinaire, oui. Qui est un grand vétérinaire. Et on lui dit, c'est urgent, venez et tout. Donc une moto va le chercher, le Klein arrive avec son matos, tac, tac, il ouvre la valise. Pendant ce temps-là, moi, je fais l'émission, tac, tac, tac. Et Klein, il a voulu calmer la chèvre. Voilà. Il l'a calmée. Mais définitivement. Ouais. Faut pas le dire, non, ça. Non, faut pas le dire. Mais il est mort. Très bon veto. Enfin, elle aussi. Très bon veto. Il a tué la chèvre. Alors, Patrick, je disais, alors cette chèvre. Il disait, oh, tout à l'heure, si on a le temps. Mais c'est horrible. C'est horrible. Mais c'est horrible. Non, mais il y a 35 ans. L'espérance de vie. Elle serait morte de toute façon. Oui, aujourd'hui, elle serait morte. Bah oui, mais quand même. Cela dit, elle était très bonne. Oh mais non. C'est fini, ça. On a l'impression qu'on repart dans les années 80 d'un coup. Paul. Ah, moi, je me régale et je trouve ça génial que pour une fois, exceptionnellement, Christophe puisse parler un peu de lui dans cette émission. Patrice. Qu'est-ce qu'il avait de plus ? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres animateurs, Christophe de Chavannes ? Pourquoi on dit que c'est un phénomène ? En télévision, d'abord, parce qu'il voyait, il voit tout. Il voyait. Je n'ai pas le... Parfait. C'est souvent les gens, quand ils parlent des autres, ils parlent d'eux-mêmes. Non, c'est vrai qu'il voit tout. Et alors, il aurait même aimé réaliser en même temps qu'il faisait l'émission. Ah oui, je vous le confirme. Ici aussi, il a l'œil sur tout. Il a l'œil sur tout. Ça, c'est formidable. Et puis, alors, quand on faisait, par exemple, Ciel bon mardi, il était presque meilleur quand les sujets l'intéressaient beaucoup, il travaillait, et peut-être qu'il était moins bon. Sinon, il avait... En impro. Il avait, oui, ce don, et puis de poser les questions qu'il fallait que se posaient les gens qui regardaient la télé, quoi. C'est un don assez incroyable. C'est là où vous êtes hyper bon dans quelle époque, c'est que vous posez les questions, et notamment aux hommes politiques, qu'un journaliste politique ne posera pas. Mais lui, il pose ces questions, ouais. Il pose les gens vraiment. Et là, c'est pour ça que les gens se reconnaissaient, je pense, dans l'émission, hein, et qu'ils aimaient ça, oui. Sa plus grande qualité, son plus grand défaut ? Ah ben oui. Alors, sa plus grande qualité, ah ben, je dirais le courage physique, bizarrement. Ouais. Alors ça, j'ai assisté, par exemple, un jour, on était avenue dans la Grande Armée, je crois, et dans un bureau, et à un moment, il regarde par la fenêtre, et il y avait une vieille dame qui était en train de se faire agresser par des mecs. Il n'a pas fait une ligne, ni deux, il est descendu. Il était. Eh ben, moi, je n'aurais pas eu le courage de le faire. Mm. Et je trouve que ça, c'est très. Voilà, c'est une des qualités. Et son plus gros défaut ? Son plus gros défaut, je pense qu'il n'a pas une grande propension au bonheur. Il s'inquiète. Non ? Oui, c'est un inquiet. Un peu, c'est un inquiet, en tout cas. C'est un inquiet, un anxieux. Ouais. Et c'est vrai que, qu'on peut parler de qualité, contrairement peut-être à l'image que. Qui peut donner. C'est quelqu'un qui... Il parle beaucoup de lui, mais il pense beaucoup aux autres aussi. C'est marrant parce que moi, je vois parfois beaucoup de gens qui ont été à Coyote, qui font beaucoup de choses. Coyote, c'est sa boîte de prod. Qui était sa boîte de prod. Et tous disent que c'est les plus belles années de leur vie, quoi. Parce qu'il se passait quelque chose. Voilà, il y avait une générosité, il y avait quelque chose qui se passait. Mm. Plus grande qualité, plus grand défaut de Patrice Kermouz, Christophe de Chavannes ? Brillant, je vous l'ai dit, drôle, tordu. C'est une qualité, oui. Et plus grand défaut... Je connais un garçon qui a fait ses études avec lui et qui ne sait pas non plus qui est vraiment Patrice Kermouz.
Ah ouais, énigmatique. Et on l'aime, mais... Et vous ne savez pas qui il est vraiment. Je pense que je pense qu'il sait beaucoup mieux qui je suis que moi, qui il est. Je crois que Mitterrand disait « La personne qui me connaît le mieux du mieux du mieux ne connaît que 30% de moi. » Mais je suis né un 26 octobre comme Mitterrand. Comme Mitterrand, vous voyez, vous êtes scorpion. Scorpion. Oh, bah, vas-y. Tu vois, pas mal, hein. On va voir si vous vous connaissez bien. Je vais vous faire une interview, les amours. Je vais vous demander, je vais voir, parce que vous vous appelez tout le temps, vous vous connaissez bien, je veux voir. Est-ce que vous savez, Patrice, quelle est la première chose qu'il fait le matin ? On a les réponses, hein. J'ai les réponses. De la gym ? Non. Il regarde l'arbre devant chez lui. Ah bon ? Non, je regarde l'arbre au pied duquel je me réveille. Comprenne qui pourra. Ok, il dort dans un arbre. Il dort dans l'arbre ? Ok, le gars fait de l'acrobranche. Oui, il fait de l'acrobranche. Ok. Vous l'avez ? Tu l'as, toi ? C'est quoi, le bonsaï, le papier peint, c'est quoi ? Non. Je crois qu'il parle de son sgeg, à moi. Voilà, je pense qu'il parle de son sgeg. Ah, je l'avais pas. Merci. Vous l'aviez fait, je l'avais pas du tout. Oui. Ah, c'est vraiment un truc de mec. C'est du Victor Hugo en même temps, évidemment. Alors là, vraiment. Faut suivre. Sa ville de naissance ? Paris. Son deuxième prénom ? Oh merde. Non. Non. Oh, je sais plus. Jean-Jacques. Le surnom qu'on lui donnait quand il était enfant. Non, non plus. Cric. Cric-cri. Non. Oh, non. Bah, cric-cri. C'était quoi ? Cric. C'est, il y a deux personnes encore qui m'appellent Cric. Qui ? Cric. Ça vous regarde pas. Le métier qu'il rêvait d'exercer quand il était enfant. Bah, agent immobilier, il l'a fait. Donc... Non, mais rêver, on te dit. Rêver. Ah, pilote. Pilote, non, presque, cascadeur. L'âge de son premier rapport sexuel. Ah. Tu te rappelles ? 43 ans. 43 ans. Non, c'est assez tôt, c'est 15 ou 16 ans, je crois. Il a répondu 38 ans. Oui. À 38 ans. Son idole absolue. Steve McQueen. Non, l'autre. Presque. Même passion. Un Brésilien. Pardon ? Il a une photo du Brésilien dans son bureau. Ah oui, Ayrton Senna. Ouais. Son plat préféré. Une photo avec lui. Ouais. Son plat préféré. Le veau. Non. Non, parce que tu sais pourquoi ? Parce que comme on dit chez Renault, rien ne vaut le veau. Oui. En matière de voiture, une mouche. La mouche tourne. La mouche tourne, ouais. Sa pire manie. Non. Pas la Birmanie. Hein. Ah bon. La pire manie de Christophe de Chavannes. La pire manie ? J'en ai pas. Oh, si. Ah, bah si. Quand il nous emmerde, elle ne peut pas parler de la maladie toute la journée. Ah oui. Oh là ah là, oui, oui. Les gestes barrières, les machins, tout ça, oui. Ça, ouais. Sa plus grande phobie, donc. Bah oui, la maladie. Eh bah oui. Le sujet de votre dernière dispute. Pute. Je sais pas. Ben, on n'en a jamais eu. Non, pas tellement. Je n'ai jamais discuté. On s'est déjà engueulé, moi, je ne On s'est engueulé, non, on a dû... je ne sais pas, engueulé peut-être, mais je n'ai pas de souvenir. Elle a bougé sur vous. Oui, elle est sur moi. Ça m'est arrivé comme ça de faire une émission avec Mathieu Ricard. Et il y avait une mouche. C'est très gênant pour quelqu'un qui croit en la réincarnation. Et... Christophe, on va passer au photocall avec vous. C'est votre premier photocall de la saison. Bah oui, il n'y a pas de raison. On a pris tous les invités qu'on avait reçus. Ah. Quelle est la question que vous ne leur avez pas posée ? Tiens, Nikos Aliagas. Nikos Aliagas. J'ai un pote grec, mais je me demande s'il connaît mon ami Konos. Oh, ça, vous pouvez en préparer quelques-uns. Des tambours. Sophie Davant. Pourquoi tu m'as pas appelé après ? Oh. Monica Bellucci. Pourquoi tu m'as pas appelé après ? Laetitia Hallyday. Comment ça va, Letty ? Manuel Ferrara, vous savez, l'acteur porno. Je veux bien le doubler dans son prochain film. Oh. François Hollande. Est-ce que vous savez, Monsieur le Président, avec qui j'ai passé la soirée samedi dernier ? Avec qui ? Julie Gayet, ici même. Nadine Morano.
Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec Dario Morano? Éric Zemmour, il y a une question que vous ne lui avez pas posée? Ah non, pourquoi vous mettez ça Pourquoi avez-vous accepté d'être journaliste politique grâce à l'andouille qui est à côté de moi? Emmanuel Macron, tiens, on ne l'a pas reçu, mais si vous aviez Emmanuel Macron devant vous, quelle question vous lui poseriez? Monsieur le Président, d'abord bravo et merci pour ce que vous avez fait sur le préservatif gratuit pour les mineurs jusqu'à 26 ans, mais est-ce qu'on pourrait aller jusqu'au bout de cette opération comme nous l'avons prévu? Le plus vite possible. Si vous aviez Philippe Cavrivière en face de vous, lui poseriez quoi comme question? Alors, j'ai trouvé ça tout à l'heure dans le couloir et... C'est tatoué? Oui, c'est à moi. Moi, je suis vendeur de bracelets à la base. C'est... Tout ce qui est tatoué et... est à moi. Voilà, tatoué. Merci. Kaëlia, vous m'avez... c'est une question que vous n'avez jamais osé me poser. Je suis emmerdé. Pourquoi? Je suis un peu emmerdé. Est-ce que je dois considérer comme secret le fait que vous m'ayez dit que... Vous vouliez que je vous remplace assez vite. Non, bah non. Non, c'est pas un secret. C'est dit. Hein. Patrice Carmouze. Patrice Carmouze, pourquoi est-ce que tu as fait une photo aussi dégueulasse? Oui. Et la deuxième, ce serait... est-ce que vous avez confiance, Patrice, conscience de votre personnalité trouble, passionnante, le fait que vous soyez brillant, vous soyez un politologue hors pair, que vous soyez très jolie plume, je parle d'un stylo. Est-ce que vous avez confiance de votre conscience de cette drôle de personnalité que vous êtes? C'est joli. C'est joli, je ne réponds pas. Il n'y a pas de réponse. C'est à la photo. Vous pouvez répondre. Et le dernier, c'est Christophe de Chavannes. Tiens, si vous aviez une question à lui poser. Ça c'est complètement compliqué. J'ai plein de tâches sur la photo. Sans déconner. Je sais pas. Est-ce que tu m'aimes? Ah. Oh. C'est quoi la réponse? Vous me demandez de poser une question. Moi je vous aime en tout cas. Merci à tous les deux. Spectacle, Valérie Damido monte sur scène, elle s'essaye au stand-up et c'est très réussi, elle est très drôle. On va y venir dans un instant, mais d'abord les deux humoristes qui ont le plus cartonné à la télé cette saison, on peut le dire simplement comme ça, non? Oh, c'est, ça nous va très bien. En toute humilité. Oui, bien sûr. On peut les applaudir, bien, messieurs. Ouais. Forcément, il y a notre filou. Notre Philippe Cavrivière, notre meilleur expert politologue, sociologue de France. Que je regarde chaque samedi ainsi que vous. Ah. Oui, ah, tous les samedis. Tous les samedis. Tous les samedis. Et puis il y a vous, mon petit Bertrand, qui avait quand même marqué la saison de télé, toutes nos soirées à 19h avec Anne-Isabelle Lemoine. Sur C'est à vous, oui. Vous avez imposé votre style, vous avez imposé vos chroniques, votre ABC. Vous nous avez fait mourir de rire. Ben merci, j'ai fait du mieux que je pouvais. Ils font le métier le plus difficile qui soit. Faire une chronique quotidienne... Et en plus, il en faut à la radio, à la télé. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus dur au monde. Les gens ne se rendent pas compte. Le boulot de ouf. Ça bouffe la vie. Ouais. C'est, hein, c'est, et ils sont formidables, en plus. Donc, beaucoup, plus qu'un beaucoup plus qu'une interview politique quotidienne. J'ai décidé d'être méchant. Non, mais c'est gentil, Patrick. Il y a quand même des métiers beaucoup plus difficiles au quotidien. Mais oui. Effectivement, rire avec vous l'actualité qui est vraiment plombante, rire, c'est pas évident. Mais oui, merci. On est à la fin de la saison, là. Est-ce que vous êtes au bout du roux? Oui. Est-ce que vous diriez que vous êtes... Quoi, oui. Est-ce que vous diriez que vous sentez comme une serpillière ou comme une merde? Les deux, je pense. Serpillère de merde. Non, les maquilleuses ont fait un travail magnifique. Oui, mais malgré leur travail formidable, je pense que ça se lit sur nos visages. Vous êtes fatigué. La fin de saison a été dure. Mais heureusement, l'actu est vraiment joyeuse en ce moment et nous donne beaucoup de matière ces derniers temps pour vraiment faire rire les gens. Pour y arriver, pour assurer quand même une chronique quotidienne, et vous, le matin à la radio, le soir à la télé, etc., vous aussi à la radio sur RTL, est-ce qu'il faut une vie d'ascèse? Est-ce que vous avez une vie pas très passionnante en dehors, quoi? Moi, j'ai toujours dit que j'avais une vie de vieux. C'est-à-dire que... Enfin, je passe plus de temps, mais comme vous,
au taf plutôt que chez moi. Pour, voilà, ça, c'est pas une vie de vieux, c'est l'inverse. Non, non, mais une vie de vieux, c'est-à-dire que quand je sors du studio, ensuite, moi, ma passion, c'est de faire des mots fléchés et de faire des trucs vieux qui n'ont rien à voir, de ne pas regarder la télé, etc. Philippe Alors, en plus, Bertrand, il est quasiment seul sur son exercice. Moi, j'ai 14 auteurs quand même par jour. Et vous êtes riche. C'est pas la même. Non, non, moi j'ai 3 auteurs. Je les cite: Arsène, qui est en coulisses, Jonas et Clément Charton, qui est sur la scène. Ils sont super, tous les 3. Vous avez zéro vie sociale, zéro goût d'alcool, zéro drogue, zéro rien. Non, non. Moi, je me lève très tôt le matin à 5 heures pour aller à RTL. Après, je reviens, j'écris Canteloup. Et une fois que j'ai écrit Canteloup, je réécris RTL du lendemain. Oui, c'est ça. Les gens ne savent pas qu'en plus de la chronique quotidienne sur RTL, du samedi soir avec nous, vous écrivez les textes de Canteloup. Avec Laurent Vassilien. Ouais. Canteloup du soir. Du Canteloup du soir. Donc, en fait, un verre d'alcool, vous ne pouvez plus écrire. Non, ça n'aide pas. Ça n'a jamais donné de talent. Hein. Ni chemsex, ni kétamine, ni rien. Ah non, j'ai arrêté. Bertrand, vas-y. Est-ce que les humoristes ont un bon public? Alors, mais non, nous, on est bon public. Oui. Mais non, j'ai eu des humoristes qui... Oui, non, c'est douloureux. Ah, oui. Il y a des gens généreux. Si, ça, c'est vrai, c'est une bonne question. Comme Gad, comme Dany, oui, etc. Gad Elmaleh, Dany Boon. Et ceux qui sont tout en haut sont très généreux. Ouais. Et il m'est arrivé de passer des moments avec des humoristes qui m'ont regardé comme... Rien, le musée Grévin. C'est vrai, et on ne va pas donner de nom. Quand c'est un politique, parfois... Ouais. Je suis ravi quand ça rit pas. Oui. Parce que quand je peux tacler Marine Le Pen, je suis ravi. C'est raté. Alors, parfois Marine elle rit. Le Pen, c'est... Ah ben, on va oui, le voir. Parfois elle rit. On va le voir, regardez. Marine Le Pen face à Philippe Carrivière, c'est comme ça. Sarkozy lui aurait tapé le poitrail avec le poing. Il vous a frappé au niveau de la poitrine? Comment il a fait? Il a sauté? Il a fait comme ça? Mais attends, c'est dangereux, c'est un coup à se faire boxer les ralouettes à la redescente. Oh là là, ça c'est Elisabeth Borne au Conseil des ministres. Du coup, ça l'alarme à incendie, ça va passer. La première ministre a eu cette phrase habituellement réservée à un zoophile devant un hamster. Non. Ça risque d'être trop serré. Être enterré avec son animal de compagnie, mort, bien sûr. Oui. Il n'a pas gratté au cercueil. Puis regarde. Il a le poil tout collé, on dirait une secrétaire du FMI à la grande époque. Non. Ah, pour économiser de l'énergie, vous demandiez aux Français de couper la clim et de bosser en slip. Vous transpirez, vous avez chaud, faites comme Renault et portez un slip sloggy. Pour en finir avec la transpi et avoir le paquet bien rempli, optez pour le slip sloggy. Le slip sloggy, approuvé par Bercy. Elle rigole, Marine Le Pen. Oui. Alors, et Jordan Bardella aussi. Ça exacerbe un peu les choses, le Rassemblement National. J'ai fait une chronique il n'y a pas longtemps avec Jordan Bardella et... Il a rigolé et j'ai reçu des tweets où on me disait « salaud de gauchiste, barre-toi sur France Inter » et des autres qui me disaient « espèce de facho, t'as bien sucé le RN ». J'ai dit « alors, les gars, insultez-moi, mais mettez-vous d'accord. Ou je suis à gauche ou je suis d'extrême droite, mais mettez-vous d'accord. » Mais c'est le RN, ça fait quelque chose mais de... Quand elle rit, ça vous amuse, ça vous... Je mets un point d'honneur, parce que c'est pas totalement mon ADN, l'extrême droite, vu mon parcours, vu mon passé professionnel au Club Med, où on était avec 30 nationalités, et on était très heureux comme ça. À ce qu'il y ait des moments de petite tension. Je ne veux pas prendre en otage l'antenne, je veux qu'on rie ensemble, je veux essayer de créer un moment. J'emmène mes chats parce que je n'ai pas 1000 points communs non plus avec... Voilà. Le chat, c'est... Donc j'essaye de faire le buzz. Je dis, pour faire le buzz, il faut soit avoir un chat, soit montrer son cul. Donc j'ai un moment montré le cul de mon chat, j'ai fait un mix, tu vois, pour essayer de faire du buzz sur YouTube. Mais j'essaye de mixer ça, qui est aussi un dialogue... du sens. Bertrand, il a quand même sa cible préférée, sa chouchoute. Pardon, la chouchoute. Ah oui. Ah bah oui. Oh le regard. I can't wait to fly. Oh, I'm alive. Et attention, on change de pause.
celui-là, je le remets difficilement. Alors, tout le monde se pose la question depuis 24 heures. J'ai mené ma petite enquête. Je sais qui a coaché Valérie Pécresse pour son meeting, pour son zénith. Elle a suivi une formation express au cours Olivier. C'est comme les cours Florent, sauf que c'est Olivier le professeur. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Bonjour, je m'appelle Valérie Pécresse, j'ai 54 ans. Et nous vous offrons deux ballets brosses. Il y a eu un moment où je matais, bon, je mate en replay, je mate la nuit, je suis un hibou, mais je matais pour attendre quand il y avait le nouveau I'm Alive, parce que c'est une trouvaille extraordinaire. Je voulais l'enlever au bout d'un moment, je me disais c'est bon, non, on a compris, le running gag est lourd et lourd, et quand j'ai arrêté le jingle, les gens m'écrivaient, je recevais des dessins d'enfants de 8 ans qui redessinaient Valérie Pécresse comme ça, vraiment. Les réseaux sociaux, vous en prenez plein la gueule. Hein. Oula. Vous aussi ? Lui, plus que moi, je pense. Alors lui, mais carrément, vous dites notre métier devient lunaire. T'es pas fait pour recevoir 800 messages de haine par jour. Ah oui, au début, c'est bizarre, ouais. Ouais. Comment vous supportez ça ? Alors, parce qu'il y a plein de gens qui vous adorent, Philippe. Mais y a alors gens, oui. Alors ça navigue entre tel nouveau des proches et tu es une grosse merde. Donc je me dis, je me situe quelque part entre les deux. Mais quand on a... moi, j'ai fait des vannes... j'ai eu des menaces de mort sur le truc. À un moment donné, il y a... j'ai fait des vannes sur le Portugal qui étaient très légères et j'ai eu tellement de menaces de mort qu'ils m'ont mis la sécu à RTL. C'est-à-dire que quand j'arrivais, j'étais Barack Obama. J'avais trois gardes du corps qui étaient devant et je me suis dit, il y a un mec avec un drapeau rouge et vert qui va me sauter dessus un jour. Et il y a un mec qui m'avait mis des messages, machin, et il voulait enculer mes chats. Alors, tu vois, je te jure. Et je me suis retrouvé... à proposer les chats. Non, je me suis retrouvé dans un commissariat avec un mec qui avait un gendarme avec l'accent du sud-ouest qui me disait « Monsieur Da Silva a menacé de sodomiser vos chats à la suite d'une vanne sur le gel des Portugais. » Je lui dis « Qu'est-ce que je fous là ?» Ouais, c'est dur. Et après, il y a toujours l'intelligence qui arrive, et j'ai reçu un message d'un Portugais qui m'avait dit « Il y a un truc que j'ai pas aimé, c'est vos excuses. Vous êtes excusé. » Ah, vous êtes excusé ? Ben, j'étais obligé à un moment donné. RTL m'a dit, RTL m'a dit, dis un petit mot parce que ça va trop loin. Sur tous les réseaux de Courbet, de machin, de Laurent Ruquier, ils se faisaient tous insulter. À cause de vous ? Alors, on a fait des progrès en portugais. On a appris « Vai de fuder, caralho », machin. Ça, c'est génial. Il y a le côté linguistique qui est intéressant. Mais ils m'ont dit « Dis un petit mot en portugais ». J'ai dit un mot et il y a un mec, un portugais qui m'a dit « Je vous adore, il y a un truc que j'ai pas aimé, c'est les excuses. Vous avez pas à vous excuser, vous êtes un humoriste et vous faites votre job. Et on est des gens intelligents et on aime l'humour. Ah, il est bon, lui. À la fin, l'intelligence gagne. Et vous, parfois, vous recevez des messages oui, hyper violents. La même chose que Philippe, c'est-à-dire qu'on parle, on fait des vannes sur Macron, on pense qu'on se fait traiter d'insoumis et inversement. Et c'est comme nous, les journalistes. Hein. Oui, bien sûr. Tous les matins, quand je reçois quelqu'un du gouvernement, je suis une affreuse gauchiste. Quand je reçois un mec de gauche, je suis une affreuse porte-parole du gouvernement. C'est comme ça tous les matins. Ouais. Et j'ai beau faire ce métier depuis quelques années, on peut recevoir 12, c'était génial, je me suis marré. Le collabo où va niquer ta mère, il pique toujours un peu quand même quand on le lit. Ça fait mal encore ? Oui. Philippe, Bertrand, il y a des vannes interdites ? Moi, il y a des sujets sur lesquels je n'irai pas, sur lesquels Philippe va, mais parce qu'il a le talent pour et l'aisance pour. Mais par exemple, Annecy, enfin les drames, tout ça, je n'arrive pas, je trouve pas de vanne et j'arrive pas. Et je pense que j'ai pas habitué les gens qui apprécient ce que je fais à ce type d'humour. C'est-à-dire que vous mettez vos propres barrières. Oui, ce sont mes propres barrières. Et vous, je vous pose pas de questions. Non. Voilà, c'est pas. Non, c'est de l'humour qui fait rire quand il vient des autres. Mais oui, moi, je me sentirais pas à l'aise de délivrer ces vannes à l'antenne. Philippe, aucune barrière, non ? Non, et c'est pour ça que c'est bien de d'écrire avec des camarades auteurs. C'est-à-dire, à un moment donné, on envoie son texte à égalité aux auteurs, puis on dit est-ce qu'on va trop loin là ? Est-ce que c'est intelligent ? Est-ce que on comprend parfois, vous... le cynisme, l'ironie ? Oui, vous on adoucissez. Ouais. Ouais, ouais, sur des sujets douloureux comme l'Ukraine, comme les violences faites aux femmes. Il y a 15 jours, je m'étais posé la question sur Mohamed Awas, de faire une vanne ou pas. Il n'y a rien de drôle d'un mec, un mec de 123 kilos qui tape sa femme de 50, il n'y a rien de drôle. Et je me suis dit, si je n'en parle pas, ce n'est pas bien, parce que j'évite le sujet et il faut parler du sujet. Et on a cherché des vannes, machin, et on a trouvé un angle. Et j'étais, une fois dans l'année, je suis fier, et on était fiers de se dire, on a parlé de ce sujet horrible,
et en faisant rire, en parlant de la lâcheté des hommes. Un coup, j'avais regretté, j'avais eu des insultes sur des vannes sur l'Ukraine, et je fais une émission avec Boris Cyrulnik, et qui me dit, mais non, il faut. Il dit, dans les camps, les gens faisaient des vannes, parce que c'est la résilience, c'est faire un pas de côté par rapport à ce qui nous arrive, sinon c'est insupportable. Donc je me suis dit, si Boris il m'a dit que j'ai bon... C'est je... bon, c'est continue, bon. Continue, continue. En tout cas, il y en a un que vous faites rire tous les deux, qui s'appelle Emmanuel Macron. Ah. On va commencer par vous, Bertrand Chameroy. C'était... Les deux, c'était pendant la campagne. Donc, en même temps, il est obligé de rire. Hein. Il faut qu'il prenne des voix. Mais là, il... win-win. J'ai l'impression qu'il était sincèrement, qu'il s'est marré dans les deux cas. Bertrand, avec Emmanuel Macron. Je savais qu'à l'approche du second tour, vous faisiez du pied aux insoumis, aux LR, aux jeunes écolos. Mais hier, j'ai découvert que vous faisiez aussi, vous tentiez de séduire les fans de BHL et de Demis Roussos. Je crois que ma question est simple. Demis Roussos. Pourquoi vous êtes très, très chaud à Marseille, comme vous l'avez vu. Bah oui, il y a des moments. Où... Mais vous l'avez validé. Bah j'ai validé sans doute la série. Celle-là est passée un peu vite. On en revient à ce que vous disiez de Christophe tout à l'heure, c'est-à-dire que cette photo d'Emmanuel Macron publiée par sa photographe officielle de l'Élysée était parue la veille. Jamais Anne-Elisabeth n'aurait pu, en tant que journaliste, animatrice, lui dire parler de ses poils. Qu'est-ce que c'est que cette photo, qu'est-ce que ce sont que ses poils. Et sous couvert d'humour, on a quand même eu la réponse sur pourquoi cette photo. Et j'ai toujours pensé ça. J'ai toujours pensé qu'il fallait interviewer les politiques avec des gens qui ne sont pas journalistes. Moi, je pense que c'est un fake. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Mais on l'a vu en maillot dans je ne sais plus quel canard, il est en maillot, il a plein de poils. Il l'aurait dit, ça, en fait. Mais oui, il est poilu, il est poilu. Noir. Non, non, il est très poilu, c'est tout. C'est pas Nikos Aliagas. Mais si, c'est pire, je dirais, il y a plus, là. Oui. C'est pas possible, et puis en plus, c'est rasé là. Bah, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça. Philippe Cavrivière aussi, vous l'avez fait barrer au président. Excusez-moi, téléphone. Oui, allô? Oui, oui. Oui, Vladou, je peux pas te parler, je suis en clientèle. Oui. Oui, je suis à RTL sur la chronique de. Je suis sur la chronique de Cavrivière. Bon, c'est un clown qui va se foutre de ma gueule pendant 4 minutes. Ah non, 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 il sera pas empoisonné après. Je vais vous l'envoyer, Poutine. Non, on n'empoisonne pas ici. Non, ici, c'est possible. Tu peux pas comprendre, c'est français. Oui, 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 il a fait une vanne sur McKinsey, oui. Bon, écoute, j'ai souri poliment. Tu lâchais tout ton polonium, toi. Même en 2 litres, quand même, même en 2 litres. Non, mais c'est pressurisant, un président, parce que rien ne se passe normalement quand il y a une pression autour. Parce que, il y a le staff, la sécurité, moi, je suis arrivé tous les patrons qui arrivent. À 6 du mat, déjà, on ne peut pas passer à 300 mètres de RTL, exactement. C'était bloqué. Il y a le GIGN qui m'arrête, qui me dit, vous allez où? Bah, j'ai dit, voir votre boss, normalement, si vous me laissez passer. Et après, l'entrée, c'est plus l'entrée parce qu'il y a un service de sécurité. Et après, il y a 300 personnes, il y a une caméra qui vous suit tout le temps, machin, et on... Donc là, j'essayais de répéter mon texte, machin. Il n'y avait plus d'endroit. Je dis, je pars au chiottes. Et là, il y avait un mec du GIGN au chiottes. Je dis, bon, laisse tomber. C'est une pression de dingue. Et lui, il était terrorisé. J'étais terrorisé. Et après, au moment, il faut lâcher les chiens, dire allez, Akbar, et on y va. Et on verra bien ce qui va se passer. Mais il a été très sympa. Lui, il est bon client. Il a été très bon parce qu'on ne l'a pas vu, Bertrand, parce qu'il a fait une autre séquence où il se moque des gestes. Oui, je me moquais des shootings des photos. C'est pour ça que je portais ce sweat à capuche. C'était au moment où il sortait. Avec lequel il avait posé celui des parachutistes. Il était cool. Mais il est bon client, Emmanuel. Il est très bon. Pour le coup, il est bon client. Contrairement à d'autres. À qui pensez-vous? Voilà. Est-ce qu'il y en a qui gueulent? Est-ce qu'il y en a qui gueulent après un truc? Qui vous disent, moi, franchement, qui se plaignent à la direction, ou parce qu'ils passent des coups de fil. J'en vois qui sont en poker face, moi. Je vois que qui ne peuvent pas rire à un moment. J'avais reçu Yannick Jadot juste pendant la campagne, et 2 jours avant, il y a un mec de la com qui se fait virer parce qu'il y a les scandales sexuels sur Nicolas Hulot, autour de Nicolas Hulot. Donc, le mec était proche de Hulot, donc il vire le gars. Et moi, je suis face à Yannick Jadot. Donc, je suis un professionnel, je suis obligé de lui en parler. Et je lui explique l'effet papillon.
Et je lui dis, vous connaissez les écolos de l'effet papillon? C'est un petit papillon au Brésil, il bat des ailes, et au Japon, il y a une tornade après. Et je dis, ben, chez les écolos, c'est pareil. Une fellation sur Nicolas Hulot en 88 peut provoquer un licenciement en 2022. Et là, il me regarde, il est comme ça. Je sors du studio, il sort, et je lui dis, Yannick, il était venu plusieurs fois, je lui dis, je suis obligé de le faire la vanne, moi. Et il me dit, ah non, c'était très marrant. Il me montre la caméra, il me dit, je peux pas rigoler, sinon je suis mort. Ah oui. Et il avait fait Poker Face pendant la vanne, sur le petit papillon. Et vous, Bertrand, ça vous est déjà arrivé? Très rarement et généralement, c'est très bizarre, mais ce ne sont pas les personnes les plus importantes. Parce que la plupart des gens dont je me moque m'envoient des messages en me disant bien vu, ou bon, bah, c'est le jeu. Et c'est les personnes qui vraiment sont pas non plus d'une notoriété folle, qui pètent des câbles en m'envoyant des messages privés. Quel a été votre pire moment de solitude à l'un et à l'autre cette année? Vas-y, toi. Moi, c'était Jeff Goldblum, qui malheureusement avait une traduction, mais c'était vraiment la chronique où il y avait des choses qui étaient intraduisibles. Et vraiment, dans son regard, je voyais le vide. Qui est cette personne? Que raconte-t-elle? Ça rigole à peu près, mais je ne vois pas de quoi il parle. Et bon, ben voilà, mais quand c'est comme ça, il faut foncer. Il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Et ça, avec un étranger, c'est plus ou moins excusable, entre guillemets. Oui. Alors que lui, il se fait des moments de solitude avec des gens qui comprennent la langue. Ah oui, oui, non, mais oui. Oui, je sens la haine dans le regard, parfois. Ouais. Mais je suis même étonné, moi, parfois. Quand... Il ne se démonte jamais. Alors si, quand même, à l'intérieur, c'est le 11 septembre, je m'effondre. Est-ce qu'il s'est déjà pris une claque? Fait taper. Alors, non, mais... ce qu'il y a, Nicolas Dupont-Aignan, rendons-lui hommage. Vous appelez Dupont-Aignan. Hein. Non, Ducon-Aignan. Ah, Ducon-Aignan, oui. Je crois qu'il a entendu, malheureusement. Et un matin, il y a Yves Calvi qui fait sa phrase traditionnelle et qui fait, et tout de suite, Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. Et lui répond, non, non. Et il s'en va. Et il se barre comme ça, il se lève et il se casse. Et moi, j'arrive, tu sais, et il fait... J'ai un train pour l'Alsace. Et puis, et là, je reçois des textos des auditeurs. Il part, il est 7h55. Ils me disent, le premier train pour Strasbourg, il est à 10h40. Donc, c'était de la merde. Il voulait juste pas être en face de ma personne. À lui, c'était moment de solitude. Donc, vraiment, moment de solitude, il n'était plus là. Paul, j'en ai d'autres. Oui. Attends, on y va. Est-ce que tu as peur parfois que la personne à qui tu fais une vanne se sente insultée, connard? Ça a été son pic de rire, le connard, avec Olivier Véran, et il m'a épaté parce qu'il faut le... Ah, il a osé, oui, le connard. Il a osé Olivier le connard, Véran, Paul de Saint-Sernin, en reprise de volée. Non, non, mais il est très audacieux. Je lui retourne le compliment, tu es la cagole qui me fait le plus rire après avoir la Chiappa. Merci, mon Paul. Merci, merci, merci. Vous êtes deux cagoles. Oui, on est du Sud. Vous êtes deux cagoles du Sud. Bien sûr. Nice et Saint-Raphaël. Oui, c'est... Ah, oui, tous les deux Verseaux aussi. Tout à fait. Ah, moi aussi. C'est... Vous aussi, vous êtes trois Verseaux. Quelle date? C'est bien Verseaux. Plus vite. Un peu mauvais Verseau. 28. 23, très bon Verseau. Après le 21, c'est bien. Est-ce que l'adage « femme qui rit à moitié dans ton lit » marche pour les humoristes? Est-ce que c'est plus facile avec les filles? Non, pas du tout, car j'ai une relation saine et équilibrée avec mon épouse. Et moi, de même. Non, mais c'est vrai. En même temps, en ce qui vous concerne, Sarah, c'est... Oula, Jésus Christ. Après, oui, je suis quand même Mbappé. Si vraiment, il y a un gros club qui fait une offre, tu vois. Là, je sais que là, ça ne me fait pas rire du tout. Ça me fait pas rire. Zéro humour là-dessus. Elle a zéro humour. Mais c'est par l'homme de l'artiste. Oui, voilà. Regardez, enfin, elle est là. Elle est super. Non, ça c'est Rachida Dati. Je sors avec Rachida Dati, je le dis ce soir. Et vous, voilà. C'est à peu près la même chose, mais je suis très discret sur ma vie privée. C'est quoi après la scène? C'est quoi vos rêves? Vous, je sais que c'est la lui, scène. Lui, c'est la scène. C'est quand le one-man show de monsieur Philippe Cavrivière? Moi, je ne voulais pas faire de radio, je fais de la radio, je ne voulais pas faire de télé, j'en fais. Et je me suis dit, tiens, je n'ai pas envie de faire de scène, donc je vais y aller, je pense, logiquement. Ben, pour avoir l'émotion en plus long de la chronique. Voilà. Quand? C'est l'année prochaine ou l'année d'après, mais ça va être juste, mais ouais, bientôt. Mmh. Bientôt. La France entière vous attend. Oui, mmh, j'ai envie. Sûr. Ben ouais, je sais. Et vous? Non, pas de scène. Et le cinéma? Mais on me pose souvent la question. Mais oui, vous avez une gueule d'acteur. Oui, ça veut dire quoi? C'est comme ça, avoir une gueule d'acteur et jouer comme un cul. Oui, donc c'est donc je sais pas. Mais oui, à choisir entre la scène et la fiction, je préférais essayer la fiction. Et vous avez stand-upé. Et elle a fait le pas. Ah oui, moi je l'ai fait. Je dis pas que ça va marcher. Bah là, ça marche en tout cas. Ouais, pour l'instant, ça marche. Après, ouais. C'est...
Mais si, viens, on va se marrer. Oui, non, mais oui, j'ai envie. Non, mais c'est pas étonnant venant de Valérie parce qu'elle a, elle a cette personnalité, cette gouaille. Et je suis pas du tout étonné. Oui, on va en parler parce qu'effectivement, elle y va. Bah, elle aussi, elle avait peur avant. Et le cinéma, vous? Alors, le cinéma. Pour l'instant, c'est très calme au niveau des propositions. C'est là que c'est un métier. C'est là que moi, j'avais écrit un film, Les Infidèles. Et je vois que c'est pas un métier. J'ai fait 3 castings. Le premier, je me suis dit, j'ai été mauvais. Ils ne m'ont pas appelé. Le deuxième, j'ai dit, t'as été très bon. Et ils ne m'ont pas rappelé non plus. Et j'en ai fait un troisième. Et je fais le truc, je suis moyen. Et après, je vais voir le mec, je lui dis, mais c'est quoi le rôle? Ben, il me dit, c'est un petit gros de 30 ans. Je lui dis, mais je suis maigre et j'ai 50, donc ça va pas. Il me dit, ouais, mais j'avais envie de voir ce que ça donnait. Donc, rien. Allez, on passe au photocall tout de suite. Un petit gros de 50. Photocall particulier. Il y a, au début, tous les deux vous répondez. Quelles questions vous poseriez aux gens qui vont défiler. Mmh. Ensuite, ce sera un chacun. On commence tous les deux. Emmanuel Macron serait devant vous. Quelles questions vous lui poseriez, Bertrand? Quand est-ce que vous revenez dans C'est à vous? Parce que j'ai un nouveau stock d'images. Pourquoi ne m'avez-vous pas pris comme ministre de la Culture? Et à quand le remaniement? Je suis disponible, mais pas juillet, août, ça ne m'arrange pas, je suis en vacances, mais début septembre, après, je peux démarrer. Vladimir Poutine. Ça s'arrête quand? Alors, pourquoi ne m'avez-vous pas pris comme ministre de la Défense? Vous auriez perdu en 8 jours et ça aurait arrangé tout le monde. Joe Biden, comme vous l'appelez. Joe Biden. Joe Biden. Ah, Joe Biden, j'ai envie de lui dire... alors, c'est comment la vie après la mort? Pas mieux. On peut pas compete. Alors, deux qui vous ont beaucoup inspiré, Laurent Berger et Philippe Martinez. Ouais, bah, ils sont très sympas. Tu les as eus? Non. Ils sont adorables. Ils ont beaucoup d'humour, les deux. Mmh. Et c'est vrai que depuis qu'ils ont été remplacés par deux femmes, les greffes sont toutes pourries. Alors, est-ce que c'est comme en foot? Est-ce que les femmes sont moins bonnes que nous, les hommes en grève? Peut-être, j'ai l'impression. Bertrand. J'y parle là-dessus, pardon. T'as pas là-dessus. Jean-Luc Mélenchon. Quand est-ce que vous revenez dans C'est à vous? Parce que ça fait très longtemps qu'il boude l'émission et je me fais le porte-parole de la programmation. Vous voulez Jean-Luc Mélenchon? Ben revenez. Alors, Jean-Luc Mélenchon, alors il a écrit un livre, Qu'ils s'en aillent tous. Pourquoi il ne l'a pas lu? C'est un bon conseil. Marine Le Pen. Je vais me répéter, mais quand est-ce que vous venez dans cette avoue? Il n'y a que ça, vous faites votre marché en fait ce soir. Oui. Qu'est-ce que vous utilisez comme litière? Pas pour vous, hein, pour les chats. Non, parce que... Elle est éleveuse. Elle a le diplôme. Je préfère ses conseils en matière de chat que de politique. Le pape François. Alors, non. Moi, Dieu est miséricorde. Et la semaine dernière, j'ai fait référence à son opération du côlon. Et j'ai dit qu'avec sa tenue blanche, il fallait qu'il ait les sphincters hermétiques. Donc, je voudrais savoir si le pape m'a pardonné. Voilà. Bertrand. C'est vrai que c'est important quand on est habillé, quand on est nickel, comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment une vie après la mort? Si oui, ça m'intéresse. Xavier Dupont de Ligonnès, c'est le dernier que vous faites à deux. Bah, t'es où? Pareil, c'est la chanson de Barbara. On a envie de lui chanter Barbara. Dis quand reviendras-tu? Alors maintenant, c'est l'un chacun. Damien Abad, pour vous, Philippe. Est-ce que tu veux que je t'aide à remonter ton froc? Parce que ça... Non, il a eu des soucis, c'est pour l'aider, comme on est intime maintenant. Ça... Parce qu'il faut dire aux téléspectateurs qui ont loupé, qui n'ont pas la référence... Un problème de ceinture. Il n'était pas content de vos blagues. Lui, il n'était pas du tout. Il s'est manifesté. Il s'est manifesté et j'ai été défendu par Philippe Croizon. Alors, on fait mieux, on garde du corps. Mais je suis très fier d'avoir Philippe Croizon en garde du corps. Valérie Pécresse. Quand est-ce qu'on dîne ensemble? Je vous en dois une. Pas mal. Nicolas Canteloup, Philippe. Quand c'est que tu reviens sur scène? Parce que plein de gens qui ont envie de le revoir. Babette Lemoine. Est-ce que tu t'aimes? Parce que moi, oui. Et quand est-ce qu'on part à la plage? Oh, joli. Thomas Soto, Philippe Cavrivière, parce que c'est lui qui, c'est lui la tout. Première fois, comment
vous a déniché, vous a dit, il faut que tu tentes de d'écrire des chroniques. De montrer ta gueule. Comment je te rends tout ce que je te dois? Alors, pas financièrement, ce serait trop, mais humainement. Parce qu'il est venu m'aider sur un spectacle de l'association Léo. Pour rien, il a pris son billet d'avion, il a fait Paris-Saint-Raphaël, il est resté des heures avec les gens, avec les bénévoles. Et moi, j'ai fait des vannes sur un sujet hilarant, le cancer pédiatrique. Et à la fin, il a été voir mon producteur, il a dit « Mais il n'est pas nul, Cavrivière au micro. » Et moi, je ne voulais pas faire de radio, mais comme il m'a rendu service, il m'a dit « Viens à RTL, s'il te plaît, fais-moi-en une. » Et moi, je lui ai dit « Je vais lui en faire une, ils vont me virer. » Et je n'aurais pas dit non à mon copain. Et ça fait 4 ans que je suis là. Ouais. Et c'est grâce à lui. Grâce à Thomas. Hein. On l'embrasse. Ouais. On l'embrasse. Patrick Cohen, vous? Ah, bah, Patrick, quand est-ce que tu arrêtes d'essayer de rajouter des vannes sur celles que je tente de faire à l'antenne? ça casse le rythme. Michel Drucker. Michel Drucker, vous savez que je vous adore. J'ai un service à vous demander. Est-ce que vous pourrez dire quelques mots à mes obsèques? Je pense qu'il sera encore là. Dans 30 ans, ce serait classe. J'avais vu une photo sur Internet qui était très drôle. Il y a 2 ans, il y avait la reine Elisabeth, et il y avait Michel Drucker, et il y avait marqué en dessous « La finale ». Cyril Hanouna. Est-ce que, comme tu le dis, tu penses vraiment que la télé, c'est que de la télé? Parce que parfois, de ton côté, j'en doute. Sarah. Oui, c'est la dernière. Est-ce que je peux sortir avec mes copains après? S'il te plaît. Et alors vous, comme vous êtes très discret sur votre vie privée, on ne vous a pas pris votre Sarah à vous, je ne sais même pas qui c'est. En revanche, je vous ai pris Daphné Roulier, parce que vous étiez amoureux d'elle. Oui, avant. Ben, oui, j'étais amoureux d'elle quand j'étais enfant, puis après j'étais amoureux de vous. Puis... C'est pas vrai? Oui, quand on se croisait dans les couloirs. C'est vrai? Donc, oui, mais bon, on en parlera plus tard. Oh, ça me fait plaisir. Une question à Daphné Roulier, est-ce que ça aurait été possible un jour? Paul de Saint-Sernin. Et surtout, vous avez dit que tu as commencé chez Hanouna, mais tu as commencé à 21 ans chez Morandini. Habillé. T'as eu beaucoup de chance, non mais t'as eu beaucoup de chance de commencer. Pourquoi je dis ça? Parce que 21 ans, c'est très jeune pour être à l'antenne, et c'est très vieux pour Morandini. C'était pile dans le... Jean-Marc Dumonté. Jean-Marc Dumonté. Alors, c'est mon producteur. Mmh, c'est pour ça que je vous pose la question. J'ai reçu ma paye. Est-ce qu'il ne manque pas un zéro? Ça ne correspond pas. Bertrand, Pierre-Antoine Capton, c'est votre producteur à vous, sur C'est à vous. On remet ça? Pas mal. Vous n'avez pas la confirmation encore au moment de ça, l'année prochaine? Si, mais c'est bien de faire planer le loup. Ah. Et on termine avec Bertrand Chameroy. Quelle question vous lui poseriez, Philippe? Est-ce que tu peux arrêter d'être plus drôle que moi? S'il te plaît. S'il te plaît. Et vous, quelle question vous lui poseriez à Bertrand Chameroy? Quand est-ce que tu arriveras à profiter de l'instant présent? Et Philippe Cavrivière, quelle question vous lui poseriez? Tu peux me filer des bonnes vannes de temps en temps, ça m'aide. Et Philippe Cavrivière, quelle question vous lui poseriez? Ça m'intéresse, ça, vous voyez. Putain, c'est hyper dur, ça. Pourquoi tu as autant de chance depuis... 2 ans. J'ai beaucoup de chance depuis 2 ans. Je suis très heureux depuis 2 ans. Et nous aussi. Et on est fiers de vous. Merci. Bertrand Chameroy, l'ABC chaque soir, enfin c'est à vous. Philippe Cavrivière, RTL, et quelle époque. Vous vouliez faire un petit jeu juste avant de terminer? J'ai mouru. Ah ouais, on fait un jeu sur RTL. C'est quoi ça? Le jeu du mouru pas mouru, et les auditeurs aiment bien. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est un alors... jeu. Ah non, parce que ça nous est tous arrivé d'entendre parler d'une personnalité et de se dire, tiens, Bernard Cazeneuve est en meeting, j'étais persuadé qu'il était décédé. Et du coup, on apprend qu'il est vivant. Puis il y a des personnes, on apprend qu'ils sont morts il y a 5 ans, puis on ne sait pas. Ça arrive même à l'antenne. Et moi, j'aime bien faire ce jeu parce que parfois, Yves Calvi me dit « mouru » sur une personne qui n'est pas du tout décédée. Donc, c'est très gênant. Il m'en a tué plusieurs. Donc, vous voyez, par exemple, si on fait un test, Tina Turner, tout le monde sait. Mouru. Nana Mouskouri. Mouru. Pas mouru. Là, il y a un petit doute. Non, mais elle vend ses robes. C'est la A. Donc c'est peut-être signe qu'elle va y aller, c'est ça? Pour les hôpitaux. C'est bien. Alors on peut faire le test. Voilà. Tout de suite, on est dans l'ambiance. On peut mettre le petit jingle qui est vraiment bien réalisé par RTL. Mouru, pas mouru. Voilà, on va faire.
C'est drôle. C'est classe. C'est très drôle. C'est classe. On va faire deux équipes. On va faire la droite contre la gauche. Hein. Bien sûr, le public joue. Et c'est parti, on démarre. Tout de suite, on démarre, on s'échauffe avec des personnalités faciles. C'est parti, jingle, nappe sonore. Silvio Berlusconi. Mourouille. Ouais, collégial. Bernard Murat. Mourouille, pas mourouille. Attention, pas non, pas attention. Pas mourouille. Attention, j'ai entendu Bernard des mourouilles. Bernard Murat, metteur en scène. Ouais, metteur pas en mourouille. Scène. Pas mourouille. Eh oui, pas mourouille. Jean-Louis Murat. Mourouille. Oui, Murat, il est mouru. Juste Fontaine. Mourouille. Mourouille, bravo. La Fontaine. Mourue aussi. Pas mourue. Pas mourue. Brigitte Fontaine. Pas mourue. Pas mourue. Pas mourue, comme quoi une bonne hygiène de vie. Marie-Myriam. Marie-Myriam. Pas mourue. La carrière de Lazara. C'est pas... Mourue. Elle est mourue. Les spermatozoïdes d'Al Pacino et Robert De Niro. Pas mourue. Pas mourue, ils vont lentement, mais ils vont. Joe Bidan. Pas mourue. Pas mourue. La vessie de Joe Bidan. Mourue. Elle est mourue en 2005. Michel Drucker. Pas mourue. Pas mourue, mais la première génération de médecins qui s'est occupée de Michel Drucker, ils sont tous morts. Qui a gagné? C'est la gauche ou la droite? C'est la gauche, bien sûr. On est sur le service public. Pas mal votre jeu. Oui, c'est pas mal. Pas mal. Valérie Damido, animatrice ultra populaire. Vous avez fait les beaux soirs d'M6 avec Déco, l'émission de Déco qui a cartonné pendant 10 ans, jusqu'à 4 millions de téléspectateurs. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on vous dit dans la rue, viens faire mon appart. Toujours. Ouais. Ouais, toujours. Toujours, toujours, vraiment. Ça va, Déco, tu maroufles, viens chez moi. Et les appartements repeints en violet et en rouge, c'est à cause de vous? On n'a pas fait tant de violet que ça, mais sûrement, ouais. Il y a beaucoup de taupes, plutôt. Et là, vous le trouvez comment, le studio? Ah, bah, c'est beau, là. On est... Ça va, vous validez? Ouais, je valide. Mmh. Votre marque de fabrique, c'est donc la maroufle? Oui. Alors, on est allé voir le dictionnaire. Ah bah, on va lire là, on va bah, lire. C'est la grosse info, moi, que j'ai appris en lisant le dossier. Et ouais, moi car aussi. Moi qui fais des peintures d'appartements, du papier peint, de l'anglaisage, etc., avec des tissus, je ne savais pas ce que vous voulez dire. Lisez la définition. Ah, d'accord. Bah, je le sais maintenant. C'est lisser un plaquage sur son support de manière à chasser toutes les bulles d'air qui pourraient rester prisonnières entre le plaquage et son support. Et là, exactement. Là, on parle du papier peint. C'est pas facile. Évidemment. Hein. Mais il y a des toiles. Souvent, quand tu vas au musée, tu vois toiles marouflées en telle année, par tel sur tel support et tout. Tu maroufles quand, des choses. Quand tu lis ça bout, il y a des bulles qui se font ailleurs. Hein. Non, tu chasses vers l'extérieur. Les bulles se barrent. Sur oui, le problème de Patrice, c'est que lui, il fait comme ça. Il ne faut pas faire comme ça. Ça refait des bulles, oui. Oui. Non, c'est vrai que vous vous êtes vanté d'avoir sauvé des libidos de couple. Bah, oui, en refaisant leur appart. Ah bah oui, parce qu'on arrivait quand même dans des familles qui ne faisaient plus rien. Parce que bah, déjà, rien que le décor ne te donnait envie de rien faire. Et qui ne trouvaient plus le temps de... Ils étaient tellement omnubilés par la déco, refaire leur maison, parce qu'ils achetaient des maisons dans des états incroyables en se disant on va le refaire. Et non, on ne refait pas seul sa maison. Donc ouais, on a sauvé des libidos, ça j'en suis persuadée. Bon, on nous l'a dit déjà. Mais ce n'est pas l'animatrice ni la reine de la déco qu'on reçoit ce soir, pas du tout. Mais la stand-upeuse, donc, ça fait longtemps que vous aviez envie de monter sur scène. Vous n'osiez pas, il faut le dire. Non. Et finalement, c'est fait. Valérie Damido s'expose, votre premier spectacle que vous jouez au Théâtre du Marais à Paris. Et ça marche tellement bien que ça reprend à la rentrée, oui. Puis en tournée. Et vous avez décidé de sauter le pas. C'est qui vous a convaincu? C'est Jarry, c'est vrai? C'est Jarry, ouais, vraiment. Parce que je le connais depuis très longtemps. Et c'est vrai que quand on se voyait, on se faisait mutuellement beaucoup rien. Et un jour, il m'a demandé de venir faire un sketch avec lui en première partie. J'ai fait non. Parce que je suis très timide et que c'est impossible. Mais ça, j'arrive pas à y croire. Ben, vous dites si... dans toutes vos interviews, vous êtes très timide. Ah, je rougis, je peux bégayer, c'est pas possible en fait pour moi. Et en fait, du coup, il a fait venir Moundir avec moi et il nous a déguisés en majorette. Mmh. Du coup, comme j'étais pas seule, je suis montée et j'ai fait la première partie avec Moundir. Et vous avez pris plaisir à ça. Je me suis bien marrée. Après, il m'a réinvitée. Il faisait des plateaux avec plein de gens. Et il m'a dit, mais non, viens, écris des sketchs. J'ai commencé par écrire un sketch sur Danse avec les stars et la ménopause. Et on s'est marrés. Il m'a fait venir à Honfleur, à Espoir d'en rire. Et il m'a dit, mais maintenant, vas-y, ça va. C'est bon, t'as vu, les gens, ils rigolent. Allez, écris. Et vous l'avez fait. Et je l'ai fait. Ouais. Et vous l'avez fait. Et ça donne un spectacle sur les coulisses de la télé où vous dites pas mal de choses sur la télé, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne sait pas. Et aussi pas mal de choses sur vous. On regarde. Depuis que je suis toute petite, j'adore caresser des trucs à poil. Beaucoup d'entre vous, grâce à moi, vous avez passé tous vos week-ends en amoureux chez Laurent Merlin, non?
il y a la meuf de déco, elle m'a fait une chambre New York, et je crois qu'en plus, elle veut me pécho. Ouais, j'ai chanté en prime en costume déguisé en renarde. Dans Mask Singer. Le masque est grand comme ça. Et ils ont mis les yeux ici. Mais qui marche comme ça? On parle beaucoup de maltraitance dans les EHPAD. La première maltraitance, c'est qu'on leur fout d'Eric toute la journée en VO. Hein. D'ailleurs, on partait tous ensemble sur la même autoroute. L'autoroute du soleil. On était tous serrés là comme des cons, là. RTL à fond dans la bagnole. Valérie, la danse, c'est la règle des 3 B. Bondir, ballerine, bosser. Ouais, mais là aussi, on a un problème, parce que moi, mes 3 B, c'est boire, bouffer, baiser, hein, donc... Vous y allez, vous racontez, vous dites, je raconte tout sans enjoliver. Non, ouais, c'est vrai, pour le coup, mais en général, je dis souvent, enfin, j'essaye, je cache pas trop les trucs. Quand j'ai des trucs à dire, je les dis. Je trouvais ça marrant de raconter les coulisses de Masked Singer, de Danse avec les Stars. Et donc, ce masque complètement mal foutu dans Masked Singer. Mais non, mais le masque, il fait 4 kilos, je suis claustro, je passe ma vie à lever le masque. Donc, à partir du moment où tu lèves le masque, t'as 250 personnes qui se jettent sur toi. Ah non, c'est interdit. J'étais là, les gars, tout le monde m'a reconnu, je crois. Non, personne ne doit savoir. Oh là là, putain, j'étais avec ce truc. Bon, bref. En revanche, c'est vrai que vous avez rêvé d'être ballerine. Ah ça, oui. Ah ça, vraiment, j'ai vraiment rêvé d'être ballerine. Je rêvais de ça. Et finalement, donc, vous avez fait Danse avec les Stars. J'ai fait Danse avec les Stars. J'ai fait ça, je ne sais pas pour quelle raison. Qu'est-ce qui m'a pris? À cause de Lionel. Ah bah à cause de mon banquier. Oui, c'est voilà. Bah, un peu mon banquier et aussi la ménopause. Parce que quand tu commences à être ménopausée, c'est pas un gros mot la ménopause, tu fais des conneries comme quand t'as 14 ans. C'est-à-dire, je dis toujours la ménopause, c'est vraiment... t'es con, en fait. Oh, il fait chaud. Tu mets des crop top, c'est n'importe quoi. Et là, j'étais là, ah oh, mais oui, bien sûr, faire de la danse et tout. Mais n'importe quoi, en fait. Donc, c'est totalement financier, bien sûr. J'ai dansé, j'ai usé mes pieds avec des talons, c'était terrible. Vous parlez de votre première productrice, Alexia Laroche-Joubert. Bah oui, ma chérie d'amour. Ouais, elle a fait même un message dans le spectacle. Ouais, enfin, vous êtes dure. Extérieurement, c'est un petit chiot labrador. Ouais. À l'intérieur, c'est Staline sous coke. Bien sûr. Mais pour ceux qui connaissent Alexia, c'est elle. Je l'aime d'amour, mais moi, je l'ai connue en 98. À l'arrivée, c'était son premier gros poste à la télé. Elle était red chef d'une émission People qui s'appelait Exclusif. Et c'était un pitbull. Et encore, et pourtant, avec des airs charmantes. Mais c'était, oui. Elle voulait de l'info. Puis alors, avec une... Donc, mais c'est quand même une amie, je l'aime d'amour. Elle a laissé un message qui passe dans le spectacle, qui est très drôle. Voilà, Les femmes à la télé, d'ailleurs. Les femmes à la télé, vous dites... Ah bah, les femmes à la télé, c'est compliqué, quand même. Mais ça, je sais pas. Parce que vous avez dit, je vous ai entendu dire sur Inter, à la télé, faut pas que tu sois vieille, faut pas que tu sois grosse, faut pas que tu parles trop fort. Mais c'est vrai. Vous trouvez pas que les choses changent? Ah mais pas du tout. Alors, franchement, je trouve pas du tout. On fait genre, ça change un peu. On va faire un peu de positive attitude, mais en vrai, en prime actuellement, en prime, hein, je parle de prime, hein, quelle est la seule femme à part Élise Lucet qui est aux commandes d'un prime seule? Caroline Roux, l'émission politique. Pas tous les, enfin, elle en fait. Laurence Boccolini. Laurence, elle fait pas de prime. Elle si, fait des elle jeux. Elle a fait oui, exceptionnellement, mais je veux dire, c'est comme les poissons volants, ça fait pas la majorité de l'espèce. Enfin, je veux dire. Nagui. Il y a plus de mecs aux commandes d'un prime que des femmes. Et comment vous l'expliquez? Parce que je pense qu'on est la télé est quand même il y a un peu des femmes qui sont à des postes importants, mais je pense que c'est un truc qu'on aime bien voir des nanas un peu jolies, un peu sympas. Enfin, mais la direction à France Télé, c'est quasiment que des femmes. C'est ce que j'ai dit. Pratiquement, c'est que des hommes. Mais je pense que c'est parce que les mecs aiment bien les jolies filles qui parlent pas trop fort et qui font pas trop de bruit et voilà, pas à la télé à 20h en tout cas. C'est autre chose. Le spectacle commence. Vous dites, j'en ai marre que les journalistes me posent la question sur mon physique. Et mais c'est oui, vrai, ça, on vous parce que moi, dès le début, on m'a dit, c'est vraiment cette question a existé. Est-ce que c'est pas trop dur d'animer un prime télé qu'un physique de radio? Mais comment c'est possible? Dès le début, parce que j'étais grosse et que je suis plus dodue et plus grosse que la moyenne des filles à la télé. Mais sur ça, faut poser cette question. Ah, mais c'était... Qui c'est le mec qui a la délicatesse? Je te le dirai hors du plateau. Et je lui ai vraiment répondu, va te faire cuire le cul, connard. Vraiment, parce que... C'est vrai qu'on faisait des primes. En tu 8 vois jours. La différence entre une femme et un homme, c'est que si un homme dit à une femme « va te faire le cuir le cul », franchement, c'est mal pris. Alors que si une femme dit « va te faire cuire le cul » à un mec qui lui a parlé comme ça, on trouve ça plutôt bien. Hein, en même temps, je trouvais ça fou. Il y avait des questions plus importantes à poser. On faisait des baraques en 8 jours. On était 80 artisans du matin au matin à travailler. Et le seul truc que les mecs me demandaient, c'est «
un peu grosse quand même, c'est pas dur à la télé, là, t'es un peu grosse. Oh là là. Et on avait même fait une, je m'en rappelle, on avait fait tout un, un article avec Marianne James et Laurence Boccolini, parce qu'on était les trois grasses, hein, de la télé. Et du coup, c'était genre, alors, en surpoids, la télé, c'est pas trop dur. Les gars, sans déconner. Donc, et c'est vrai qu'on était les trois grasses de la télé. Donc, c'était toujours des questions sur le poids, sur, voilà. Et d'ailleurs, le brief de M6 pour me mettre dans cette émission, c'était, on aimerait bien une Marianne James de la déco. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu traduis une petite ronde sympathique, en fait. Voilà, c'est tout, mais c'est pas très grave. Mais voilà. Non, ça fait chier quand même. Oh bah, c'est... Paul. Est-ce que tu peux arrêter de gueuler? Tu parles fort pour une femme. Si vous parlez de la télé, mais vous parlez aussi de vous, père policier. C'est vrai qu'après l'école, vous alliez prendre le goûter au commissariat? Oui, c'est vrai. Tout ce que je raconte dans le spectacle est vrai. Et que votre père voulait que vous soyez flic? Ah oui, c'était son grand rêve que je sois flic. Mais moi, vraiment, j'avais très envie d'être flic parce que je trouvais ça génial. Je trouvais que mon père, c'était Lino Ventura. J'avais très envie de faire des enquêtes policières. C'était super. Et puis, j'ai passé le concours d'entrée à l'école de la magistrature et j'ai vu les limites de mon truc. Donc, j'ai fait non, je vais pas faire ça, en fait. Vous vouliez être juge pour enfants aussi? Je voulais être juge pour enfants parce que j'avais lu Chien perdu sans collier. Je m'étais dit, oh, c'est génial. J'aurais été un très mauvais juge pour enfants. J'aurais relâché tout le monde. Donc, j'ai voulu faire plein de métiers. Vous avez raconté votre mauvaise expérience avec votre premier mari, qui vous appelait le connard. Vous n'en parlez pas dans le spectacle? Non, parce que ça suffit. On a bien expliqué le sujet. Moi, je suis toujours partante pour aller prendre la parole, aider des femmes qui vivent la même chose, sur les violences conjugales, etc. Après, parler de lui et raconter et lui faire de la promo, même pas en rêve. Donc, aider des femmes à leur faire comprendre qu'il faut partir, que non, ce n'est pas normal de prendre des patates tous les jours et de se faire insulter. C'était votre cas? C'était mon cas. Je le fais volontiers et avec grand plaisir. Et vous avez reçu des témoignages de femmes qui vous disaient merci? La première fois que j'en ai parlé, c'était chez Fogiel. Et je l'ai fait en plus parce que Marc-Olivier m'a piégée en quelque sorte parce qu'il y avait une femme qui venait qui était la véritable héroïne du film avec Marina Foïs et Guillaume Canet où elle jouait le rôle d'une femme battue, c'était abominable. Et cette femme ne voulait pas rentrer sur le plateau, elle avait peur parce qu'il y avait des gens connus. Et je lui ai dit mais tout va bien, moi aussi je me suis fait taper la gueule et regarde, on est là et on va se marrer, etc. Et donc Marc-Olivier l'a sortie sur le plateau. Valérie Damidot, question courte, réponse courte. Votre plus gros défaut? Grande gueule. Votre plus gros vice? La clope. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez lequel? Fraternité. Vous êtes un homme pendant 24 heures, vous faites quoi? Je baise, je veux savoir ce que ça fait. Vous êtes plus Elisabeth Borne ou Marlène Schiappa? Ni l'une ni l'autre, vraiment. Jean-Luc Mélenchon ou François Hollande? François Ruffin. Nicolas Taverneau ou Rodolphe Belmer? Nicolas. Passion absolue pour Nicolas Taverneau. Le patron d'M6. Ah ouais, super patron, super mec, j'adore ce mec. Orelsan ou Booba? Orelsan. Angèle ou Clara Luciani? Les deux, j'aime les deux. Ah non, faut choisir. Bon, Clara. Yann Barthès ou Hanouna? Yann Barthès. La critique vous a fait le plus mal? C'est pas dur d'animer un prime télé avec un physique de radio. Ah, non, ouais. Le compliment qui vous touche le plus? T'es sympa. Enfin, t'es gentil, t'es cool, je sais pas. Je suis très nulle avec les compliments. Votre plus grand regret dans votre vie professionnelle? Dans ma vie professionnelle? D'avoir arrêté l'émission, puisque c'est moi qui ai décidé de l'arrêter. J'aurais dû la continuer différemment, mais j'aurais dû la continuer. Ah, vous regrettez de l'avoir arrêtée? Ouais, parce que j'aimais bien cette émission. Mais fallait que Nicolas Taverneau, si vous nous écoutez. Oui, mais il le sait. Votre plus grande fierté? Mes enfants. Vous êtes capable de tout en amour, même accepter une infidélité? Oui, je pense, sincèrement. Vous préférez aimer ou être aimé? Je sais pas, je crois que je préfère aimer. Et Dieu dans tout ça? Il n'existe pas. Et on va terminer avec un faux... Ah, allez-y. Non, j'ai lu un petit truc que je voulais mettre en exergue, car elle a dit, moi, virgule, j'adore les mecs qui arrivent en retard. C'est magnifique, je trouve ça super et je voulais lui dire merci. Mais c'est vrai, moi j'adore dans le spectacle quand les gens arrivent en retard. On m'a demandé quand j'ai joué au Théâtre du Marais, est-ce que ça t'ennuie si on fait rentrer les gens qui arrivent en retard? Je fais oui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas revenir une autre fois. Et vous leur faites l'affiche quand ils rentrent? Mais tellement, j'adore ça, j'adore improviser, j'adore ça.
Valérie Damidot, on va vous faire un photocall spécial votre famille. Quelles questions vous poseriez à Guy, votre papou, comme vous l'appelez? Bah pourquoi tu t'es barrée si tôt? À Suzanne, votre mère. La même, pourquoi t'es partie si vite? Une question à Régis, votre mari. Mais comment tu fais pour me supporter depuis 23 ans? Une question à Roxane, votre fille. Elle est jolie. Mon amour, pourquoi t'es si douée? Ou d'où te vient tout ce talent? Elle fait quoi dans la vie, Roxane? Elle est illustratrice. Norman, votre fils, alors lui, il est carrément beau gosse. Hein. Bah oui, bah, pareil, comment t'as fait? Pourquoi t'es si beau? C'est que moi j'ai fait ça, moi. Une question à Valérie Damidot. Est-ce qu'il est de vous? Je sais pas, putain, tu sais quoi? Je me pose la question maintenant que tu me le dis. Une question à Valérie Damidot. Je sais pas qu'est-ce que je me poserais là. Est-ce que tu finiras un jour par bien t'aimer? Voilà. Valérie Damidot s'expose et ça reprend à la rentrée, c'est en septembre. On donnera les dates dans quelques instants. Pour cette dernière émission de la saison, on voulait revenir sur un témoignage qui a bouleversé la France entière et qui nous a bouleversé ici à quelle époque, celle d'un père qui a perdu son fils de 24 ans, percuté par un chauffard qui était sous l'emprise de la drogue et de l'alcool. Son fils est mort sur le coup, il s'appelait Antoine Aleno. Il voulait être chef comme son père, mais la vie en a décidé autrement. Avant de l'accueillir, Yannick Aleno, je voudrais juste savoir pourquoi ce sujet vous touche tellement, Philippe Cavrivière, et pourquoi cet homme vous inspire autant de respect et de courage? Oh, parce qu'il est, fascinant à plus d'un titre, Yannick. Avant que le drame arrive, moi je suis parrain d'une association contre le cancer pédiatrique. Vous vous rappelez, on avait perdu un gamin qui s'appelait Luciano, oui. Un petit Mexicain. Et au printemps le dernier, on invite comme ça, avec ma femme, Assiel, la maman, Cassiel, le petit frère de Luciano, qui a 10 ans, à déjeuner chez Yannick le midi. Et Yannick, il vient, il passe et il fait sortir tous les desserts pour le gamin, pour éclater le gamin. Et quelques semaines après, lui, il perd son fils. Et moi, qui suis parrain de cet asso, je vois des parents qui connaissent l'ivresse de la douleur qui est de perdre un enfant. Et la vie, l'ironie horrible de la vie fait qu'il est adorable avec ce gamin qui a perdu son grand frère et que la vie lui arrache son fils. Et qu'il y a deux attitudes quand on perd un enfant. Il y a des gens qui fuient parce que c'est insupportable et il y a des gens qui se disent « je vais donner un sens à ce qui n'en a pas ». Et Yannick est un guerrier, Yannick est un lion et il s'est dit « on peut faire mieux que la situation actuelle. On peut juste sauver des vies en prenant quelques mesures ». Et voilà son objectif, et voilà, si je peux aider modestement, je le ferai. Et on reçoit tout de suite Yannick Aleno. Bonsoir Yannick Aleno. Bonsoir. Merci, on tenait absolument à vous recevoir pour la dernière émission de la saison parce que c'est vrai que votre histoire, votre témoignage, la manière dont vous vous battez, la manière dont vous voulez que ce qui est arrivé à votre fils ne soit pas pour rien, et vous avez créé une association et on va en parler, ça nous touchait tous particulièrement et on s'est dit pour la dernière, on a vraiment envie de vous avoir. Je précise que vous êtes un grand chef, mais ça tout le monde le sait, vous êtes un de nos plus grands chefs, mais c'est vraiment votre histoire dont on veut parler. Le 8 mai 2022, il y a 13 mois donc, Antoine raccompagne en scooter sa deuxième de cuisine, ils sont arrêtés au feu rouge, quand un chauffard qui conduisait donc, je le répète, sous l'emprise de l'alcool et de la drogue, dans une voiture qui roulait à très vive allure, une voiture qu'il avait volée, il roulait sans permis, puisqu'on lui avait retiré son permis, eh bien cette voiture percute violemment et brutalement le scooter de votre fils qui meurt sur le coup. Il avait 24 ans. 13 mois après, quel sentiment vous traverse? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est la colère? Ou tout simplement le manque? Ben, c'est un peu tout. Hein. C'est tout cumulé, en fait. Ouais. Vous avez commencé ce qu'on appelle le processus de deuil ou c'est trop tôt encore? Écoutez, quand ça m'est arrivé, moi, j'ai vu des choses que je souhaite à personne, en fait. J'ai vu mon fils déjà en bas de chez moi. C'était un dimanche soir, j'étais à la maison.
Qui vous a, comment on vous a appelé? C'était le maître d'hôtel du restaurant qui m'a prévenu. Qui vous a dit quoi? Il me dit, Antoine est en bas, ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? Ben, ça va pas, il est mort. Voilà. Je suis descendu, j'ai vu mon fils par terre allongé dans son sang. Une scène de chaos en fait, il y avait des voitures pardon, complètement enchevêtrées les unes dans les autres, comme un attentat, quoi. Il était dans son sang. Quelle est la première pensée que vous avez à ce moment-là? À ce moment-là? On ne pense pas, on est complètement terrassé. On a du mal à y croire quand même. Et ce que vous racontez, ce que vous dites, c'est une fois que vous avez vu ça, après, on est seul. On est seul dans son deuil, on est seul avec l'absence. Vous parlez d'un vide sidéral et vous dites il n'y a pas d'accompagnement en fait. Non, on rentre en fait, chez soi, mais... son fils est mort, on rentre chez soi. Bon, on rentre chez soi, avant ça, il y a la conduite. Ils m'ont conduit à l'hôpital dans une ambulance. On arrive à l'hôtel Dieu. On arrive dans une salle hyper glauque, il n'y a pas d'assistance. On nous a donné un papier comme ça en disant, tiens, si tu as besoin d'assistance psychologique, tu appelles ce numéro. 3h30 du matin, t'es là avec la famille, on fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On rentre, il est où mon fils, en fait? En fait, vous ne pouvez pas le voir, en fait. Ah non, non, mais je ne pouvais pas le voir, parce que c'était une scène de crime, donc il fallait, en fait, que les forces de l'ordre fassent leur travail, quoi. Et mais, on vous a emmené en ambulance, mais on vous a envoyé la facture aussi. Ouais, j'ai reçu la facture. Ça c'est fou quand même, vous avez reçu la facture de l'ambulance. Ouais. Ah, quand même, j'ai pas voulu payer, j'ai reçu en plus une facture d'huissier, parce qu'il fallait évidemment enfoncer le clou. Mais en fait, c'est pour ça qu'on a créé cette association. Alors justement, vous avez décidé de mettre votre notoriété au service de cette association qui s'appelle l'association Antoine Alénaud, pour que sa mort ne serve pas à rien. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette association? Ce qu'on veut faire avec cette association, en fait, c'est faire prendre conscience du drame que ça engendre. Il y a une chaîne de vie qui s'effondre. Voilà, j'ai vu l'Institut médico-légal. Hein, votre gamin, le soir, vous ne savez pas où il est. Donc, encore une fois, nous, on est relativement connus. Donc, les gens vous disent rapidement des informations. Antoine est où? Il est dans le 12e. Il est où? Mais c'est à côté de la gare de Lyon. C'est un endroit hyper glauque. Vous arrivez à l'Institut médico-légal. Votre enfant est derrière une vitre. Vous avez le droit de le voir que deux fois. Encore, on est assez gâtés parce que... Les gens du Bataclan, ça n'a pas été ça. Il y a ça, et puis il y a... Par exemple, je parle de Margot, si je peux me permettre. 15 jours après, elle est partie dans les mêmes conditions qu'Antoine, un dimanche soir, 23 ans. Sa maman a mis 3 semaines à récupérer son enfant. Pourquoi? J'en sais rien. Pourquoi? Mais en tout cas, on ne fait pas attention, quoi. C'est pas très respectueux de laisser une maman comme ça, sans nouvelles de son enfant. Et c'est ça, en fait, le fond de l'idée de l'association, c'est d'entourer les gens. Non, c'est que vous dites qu'il n'y a pas, d'accompagnement. Pas d'humanité, il dit, ouais. Il n'y a pas d'humanité. Comment on explique qu'une maman soit obligée de faire une caisse litchi, ou des parents, pour enterrer une gamine qui a 23 ans? Enfin, je veux dire, pas d'argent, l'instruction, ouais, je vous vois, mais c'est la vérité. Non, mais c'est ça, la vérité. Incroyable. C'est pour ça que cette association, elle existe. Et on fait une caisse litchi pour lever 2500 euros pour acheter une pierre tombale. C'est un père qui se lève un matin parce qu'il a un pressentiment, quoi. Il se lève le matin, il voit son autre fils sortir de la cuisine avec un couteau comme ça dans le cartable. Il fait, tu fais quoi? Je vais tuer le mec, papa. Parce qu'il n'y a pas de psy pour accompagner. Ouais, alors... En fait, ce que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas une seule personne qui meurt, c'est toute la famille. Ouais, c'est la chaîne qui s'effondre. C'est la chaîne qui s'effondre. Et donc, ce papa, il dit, attends, t'as déjà, notre vie, elle est suffisamment compliquée comme ça, on va pas en faire plus, donc je vais vendre la maison pour que te payer l'occasion d'aller... changer de région, penser à autre chose. On va à la maison, on se retrouve dans un petit studio, puis ça fait évidemment, c'est difficile. Donc, ce monsieur a divorcé. Il y a beaucoup de gens qui se séparent à cause de la douleur, mais surtout après des conditions que ça engendre. Donc tout ça, on est là pour les aider, de leur donner de l'assistance psychologique, matérielle, de leur aider à se transporter d'un point ou un autre, parce que votre enfant, des fois, il meurt à un point. Ouais, vous parlez d'une maman qui habite à Marseille, dont la fille est morte à Lille. Ouais. Où l'enfant, l'institut médico-légal est plein, il transporte le gamin, on ne sait pas où, des fois ça met 4 jours à savoir où est l'enfant. Enfin, on est quand même dans le pays des droits de l'homme, quoi. C'est pas normal, Coluche disait, c'est le pays de la bouffe, on n'a pas le droit de mourir de faim. Et, excusez-nous, on est en France, c'est le pays des droits de l'homme, on n'a pas le droit de traiter les gens comme ça, surtout quand il y a eu un drame. Et du coup, moi, tout ça, ça m'a... Je me dis, c'est pas possible, quoi. Si je fais rien, si nous faisons rien, on n'a rien compris à ce qui s'est passé. Ça vous dites, moi j'ai les moyens, vous avez les moyens d'être aidé,
et vous voulez aider ceux qui n'ont pas les moyens, qui se retrouvent dans la même situation que vous, à avoir perdu leur enfant. En fait, je vous entendais tout à l'heure sur liberté, égalité, fraternité. Moi, je suis pour le principe de l'égalité. Moi, je dois payer mes avocats, je dois payer mes psy pour aller mieux, parce que j'ai 2500 employés, il faut que je sois... J'ai encore un fils, j'ai encore une belle-fille, j'ai une famille encore à tenir. Mon père m'a appelé, il me dit, écoute, Yannick, quand c'est arrivé, il m'a dit, j'arrive, reste droit. Mais vous y arrivez, restez ouais, droit. Je reste droit. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, le mec a tué mon fils... Il a été transporté gratuitement, il est rentré dans une voiture de flic, il n'a pas payé la facture de la bagnole. Quoi. Après, il a eu un avocat commis d'office, un psy, on l'a logé, nourri, blanchi, et on laisse les familles comme ça sans assistance. Les gens doivent payer leurs avocats, leurs psy, et donc si on passe de notre principe fondamental de notre constitution qui est l'égalité, je pense qu'on doit dépenser autant d'énergie aux victimes que ceux qui font des choses comme ça. Ensuite, moi, ce que j'ai vécu, c'était comme une scène d'attentat. Il faut savoir un truc, c'est que quand arrive un attentat, c'est quand même difficile également, mais les victimes sont prises en charge. On consacre du temps au procès, d'accord ? Il faut savoir qu'un procès qui nous attend, on va parler de ça entre un voleur de foie gras et un dealer de cannabis. Ça va se passer comme ça, dans une audience publique. Donc, comment voulez-vous qu'on se reconstruise derrière? On a vu le Bataclan, il y a eu des procès extrêmement médiatisés. C'est important oui, que les gens prennent... ça a été le procès hors norme qui a duré ouais, 8 mois pour ouais, les attentats de Paris. Oui, avec des juges formés pour vous, ça. Et vous dites, ben, vous allez vous retrouver, le procès de l'homme qui a tué votre... Ouais. Mais il y a moi et les autres, hein, c'est ouais, tout le monde pareil. Non, là, hein, je prends votre exemple. Ouais. Il va se dérouler dans quelques mois. Ce sera effectivement un dossier parmi d'autres. Et c'est atroce. C'est une double douleur, quoi. Bah, ce qui est atroce, c'est qu'en fait, je considère que la perte d'un enfant, la perte d'un être humain, mérite plus de choses que de faire les trois lignes de la presse quotidienne régionale. Et vous avez vu le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Vous lui avez parlé. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à accepter que ce soit un homicide involontaire. Pour vous, il faut créer quelque chose qui s'appelle un homicide routier, oui, un homicide quand routier, la personne n'avait pas à prendre sa voiture parce qu'elle était sous drogue et sous alcool. Mais en fait, la démarche, elle est simple. Si j'explique un homicide routier, c'est quoi? C'est un individu qui consomme régulièrement de la drogue ou de l'alcool au-delà des seuils autorisés. Alors la drogue, c'est complètement interdit en France. Et je ne pense pas qu'on force les gens à se droguer, quoi. Ensuite, cette personne-là... prendre une voiture. Okay, pareil que l'alcool, hein, pardon. Oui, bien sûr, mais on ne les force pas à prendre leur bagnole, donc on est quand même dans un acte volontaire. Donc on est bien conscient à ce moment-là qu'on peut mettre la vie d'autrui en danger. Et pour moi, tout ça fait figure d'acte volontaire. Et quand même l'individu est sous l'emprise de la drogue, au volant de sa voiture, il tue un enfant, on voudrait nous faire croire à nous que c'est involontaire. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit, Éric Dupond-Moretti, quand vous lui avez parlé de créer un homicide routier? Monsieur le garde des Sceaux, Madame la Première Ministre ou encore le ministre de l'Intérieur nous ont dit à travers les canaux de presse qu'ils étaient favorables à ça. Alors moi, je les regarde dans les yeux, je fais maintenant, quand on est là, actionner et donnez-nous... vous voyez ce que je veux dire? Faites-le. Faites-le, vous êtes engagé à le faire, faites-le. Respectez vos engagements, en fait. Ouais. Respectez vos engagements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cet acte-là si particulier doit aujourd'hui faire partie du code pénal pour avoir donné l'occasion au juge d'avoir des outils supplémentaires pour traiter ce genre de cas. Et je pense qu'il y a là-dedans quelque chose d'important à retenir, c'est les vertus pédagogiques de ça. Quand un jeune va commencer à prendre des véhicules et qu'on va lui dire, parce qu'aujourd'hui on lui dit, écoute, t'as tué, c'est pas grave, exprès, hein. Non, exprès. Non, je ne crois pas qu'on dise ça. Bah si, connais, mais... évidemment. C'est quoi la condamnation moyenne? C'est entre 8 et 10 ans s'il y a des circonstances aggravantes. D'accord. Voilà. Et il y a bien des nombres de gens... Ça a déjà bien évolué, je peux vous le dire, parce qu'en ouais, 2004, j'ai perdu un super proche qui était renversé, qui était en scooter, qui a été tué par un type qui était en survitesse, en récidive de permis, de conduite en état d'ivresse, qui a pris 20 mois. Donc, c'est ça, les choses évoluent, certes, doucement, mais... En fait, nous, on reçoit beaucoup de témoignages. On a reçu beaucoup de gens aujourd'hui qui qui ont vécu ça.
qui ont vécu ça. Il y a Rémi qui est parti, il avait 16 ans. Le gars l'a percuté à 140 avec un Pajero, ça fait 2 tonnes. Le mec était complètement ivre. Non, mais écoutez bien. Ils l'ont chopé parce qu'il est revenu chercher le pare-choc sur le lieu du crime. Okay, ben moi, ils ont chopé parce que sa plaque il a pas fait, il a pas fait, il a pas fait, il a pas fait, il a pas fait un jour de prison puisque le gars il a eu 5000 euros d'amende et un collier, enfin un bracelet électronique. Donc non, les choses évoluent. Ouais, pas assez vite à vos yeux. Non, mais moi, ce papa, je le connais, j'ai travaillé avec lui. Il est complètement dépressif, il n'a pas été suivi depuis le début. C'est derrière tout ça. Ce qui reste, en fait, il faut s'en occuper. Et qu'est-ce qui est le plus important ? C'est que la punition soit la plus raide, que l'interdiction soit encore plus dure, ou c'est plutôt l'aide à ceux qui souffrent ? Parce que eux, visiblement, sont laissés pour compte, tranquilles et démerde-toi avec ta dépression, ta tristesse, ta solitude. Ce qui est important, c'est de prendre conscience aujourd'hui que ce sont des victimes et des co-victimes qu'il faut traiter. Que les dommages collatéraux sont terribles. Sont terribles. Et que l'assistance, dès la première minute, est importante. Mais votre association, Antoine Aleno, elle peut aider. C'est-à-dire qu'il y a un numéro 01 89 43 1997. Exactement. Si je peux préciser ça, donc on a depuis un an travaillé, on a recruté une assistante sociale qui sera derrière ce numéro-là. Donc là, elle est en train de se former parce qu'on ne peut pas accueillir des gens dans la détresse sans avoir une formation particulière. Donc aujourd'hui, elle est en formation et dès le 1er septembre, ce numéro sera actif. Ce qui est important, c'est que les gens puissent tout de suite avoir des réponses sur ce qui va les attendre, le juridique, les paperasses, tout ce qui va se passer derrière, en fait. Et ça, il n'y a aucune information. Même les fonctionnaires de police ne sont pas suffisamment formés. Moi, j'ai posé la question, Et on me dit, vous savez, on envoie les bleus, nous, parce qu'on l'a fait pendant 20, on l'a fait 30 ans, c'est bon. Donc, et quand le jeune fonctionnaire ou la jeune fonctionnaire va sonner, elle va ouvrir la porte, elle sait ce qu'elle va trouver derrière. Donc ces gens-là, il faut aussi les accompagner. C'est-à-dire que les pompiers qui sont sur les théâtres des accidents aussi durs que ça, il faut absolument demander comment ça va. Parce que toute cette chaîne-là, elle n'est pas justement… – Personne n'est aidé en fait. Ni les sauveteurs, je pense que les pompiers sont suivis, évidemment. Mais je pense que les policiers doivent avoir une formation très précise là-dessus pour expliquer ce qui va se passer. Donc on va essayer d'éditer un flyer que les policiers peuvent donner aux familles, appeler tout de suite l'association. On veut aider. C'est ça votre objectif. On veut aider parce que c'est quand même… Et si on veut donner, on sait sur le site de l'association, association antoinealeno.fr. Il n'y a pas de petit don, et cet argent, il est vraiment fait pour donner l'occasion aux gens d'avoir les moyens d'avoir des psychologues, d'être aidés. Après, on va mener des actions pour lever de l'argent. Le premier événement sera fait le 7 septembre. Vous allez faire un grand dîner de charité. Ouais, parce que nous, notre métier, c'est de faire de la cuisine. Donc, on va faire de la cuisine. C'est tous les mentors d'Antoine qui vont se mettre au fourneau. Mika vient chanter. C'est plutôt sympa. Top. Et vous allez faire une levée de fonds pour l'association. À la caserne des Célestins, ouais. Donc c'est chez les gendarmes, donc c'est aussi symbolique, je pense que c'est important de montrer ça. Et puis le deuxième événement, Antoine adorait le vin, il connaissait très bien le vin. Donc on fait une vente aux enchères au Grand Rex le 12 décembre. Et là, tous mes copains chefs m'ont envoyé une bouteille signée de leur cave personnelle. Les vignerons de France se sont mobilisés pour nous aider à nous donner des jolis crus que nous allons vendre au profit. Tout le monde a envie de vous aider, en fait. Gamins. Parce que tout le monde a été touché par votre... Par votre histoire. Il y en a beaucoup, c'est 708. L'année dernière, 708 gamins, ils sont partis. De moins de 25 ans. C'est 5 Bataclan. 700, voilà, ça c'est la phrase que vous avez dit, cette phrase. Ouais. 708 gamins en un an sont morts sur les routes, 3500 en France l'année dernière, mais 708 effectivement de moins de 25 ans. Ça fait beaucoup de dégâts. Et moi je suis très inquiet pour l'avenir de nos sociétés parce que quand il y a 2 ou 3 frangins qui restent, ils commencent leur petite vie comme ça. Qui c'est qui va parler à sa petite copine ou son petit copain? Ça fait 2 ou 3 ans qu'ils sont ensemble et puis sa vie s'arrête et c'est fini. Il faut être là pour leur parler, quoi. Merci Annick Aleno d'avoir témoigné ce soir. Pour Antoine. Permettez-moi d'avoir une petite pensée pour un autre jeune de 20 ans qui a perdu aussi la vie dans un accident de la route, c'était il y a quelques mois. Lui aussi, il était trop jeune pour mourir, il s'appelle Solal. Et j'embrasse sa maman qui s'appelle Amélie et qui travaille avec nous à Quelle Époque. Et on pense à lui et on pense à elle. Merci beaucoup.
Sans aucune transition, mais aucune. Il s'appelle Clay Canto, c'est un être mystérieux, c'est un des magiciens les plus spectaculaires du moment, et il arrive. Certains considèrent la vie comme un jeu de hasard où chaque décision prise oriente notre destinée. Vous. Je vous invite à venir me rejoindre. Non, c'est vous, Christophe. La vie est une succession de décisions. Certaines nous semblent importantes, d'autres anodines, mais toutes influent sur la suite de notre existence. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on me dit pas les choses ? Là ? Je vous propose un jeu. Posez un doigt sur une carte. Son crâne. Montrez-la au public. Vous voyez ? Oui, oui. Je vais vous demander de me faire confiance. Et de passer la tête. Pourquoi moi ? Vous êtes beau avec ça. Ouais, ça pèse une tonne. Redonnez-moi la carte. Elle va dorénavant être reliée à votre destinée. Ouais. Vous touchez ? Mettez le bandeau sur les yeux. Oh non. Et dites-moi à haute voix un chiffre, au hasard, entre 1 et 4. 3. Pouvez-vous répéter pour le public ? 3. Oh, c'est relou, hein. Non, pas en. Non, heureusement que vous ne voyez pas, Christophe. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est où ? Excellent choix. Il est où, monsieur ? on répète même pas, on me dit pour pas. Pour finir, je vous conseille de garder les mains derrière le dos. Derrière le dos, Christophe ? Non. À partir de maintenant, pour votre sécurité, ne bougez plus. La peur est l'une des émotions les plus anciennes du monde animal. Pas peur. Elle réside dans l'anticipation d'une blessure ou d'un danger. Mais quel est le plus grand danger ? Celui que l'on ne voit pas mais que l'on pressent ? Ou celui qu'on ignore alors qu'il pourrait nous être fatal ? Il fait quoi ? Vaut mieux pas savoir, Christophe. Ne bougez surtout pas. Du tout ? Même lorsque le danger est réel, la peur reste un choix. Waouh ! Merci à vous.
Merci Clay Cantos. Venez nous rejoindre. Venez, venez, je sais. Venez nous rejoindre, venez à la table. Une question. Attendez. Ok. Il va venir nous rejoindre. Une question quand même. À vous. Oh, il y a une lame de rasoir dans la sucette. Ah ouais, oh, le cadeau. Le cadeau empoisonné, Clay Cantos. Vous êtes qui au juste? Je suis celui que vous voulez que je sois. Je suis la somme de vos angoisses. Je suis le tréfonds de votre âme. Mais vous êtes quoi au juste? Vous êtes un magicien, un mentaliste, un illusionniste? Vous êtes quoi? Malade. Ni l'un ni l'autre. Et tout ça à la fois. C'est comme les taches sur mon masque. Chacun peut y voir ce qu'il veut. Et pourquoi vous avez choisi le thème de la peur pour votre spectacle? Parce que la plupart de nos peurs n'ont aucune raison d'être. En être conscient et apprendre à les affronter, c'est en faire sa force. Vous dites que vous mettez de la magie au service d'une histoire. Mais concrètement, à quoi les gens doivent-ils s'attendre en venant vous voir sur scène? Parce que vous êtes sur scène au Palais des Glaces. À se découvrir eux-mêmes, et avec un peu de chance, s'ils sont invités à me rejoindre, à en ressortir changés. C'est vrai que vos tours sont très dangereux pour certains? Oui, mais si vous ne bougez pas, et si vous écoutez attentivement mes instructions, il ne peut rien vous arriver. Mais comment vous les imaginez, vos tours? Il paraît que vous ne parlez pas de magie, vous préférez parler d'expérience. Je préfère les appeler expérience, car je ne connais jamais le résultat final de chacune. Je commence généralement par imaginer et créer une situation inconfortable où quelqu'un serait prêt à tout faire pour s'en sortir. La peur, c'est un concept universel, non? Yes, brûlé. Oui, car la peur est une émotion naturelle, puissante et primitive qui implique une réponse biochimique universelle. Et contrairement à une idée reçue, même les psychopathes sont capables de ressentir la peur. Mais leur cerveau a du mal à détecter automatiquement le danger et à réagir en conséquence. Mais c'est fou quand même cette main-là. C'est, que... c'est quoi les peurs qui vous amusent le plus? Aucune peur ne m'amuse. Je cherche plutôt à les affronter, puis à les vaincre. Mais il est vrai que j'aime faire appel à des peurs primitives, comme celle des serpents ou des araignées, lors de certains numéros. Il y a quand même une peur qui vous fait vraiment peur, non? Je n'ai peur que d'une chose. Rencontrer Chuck Norris. Et donc moi, si je viens vous voir en spectacle, est-ce que je vais avoir peur? Cela ne dépendra que de vous. Mais la vraie question est, aurez-vous peur de moi, de vous-même, ou du regard des autres? Et est-ce que lorsque je vais vous choisir. Ah, vous allez me choisir. Et est-ce que je vais faire des cauchemars la nuit suivante? Pense plutôt qu'on en fait avant, pas après. C'est l'inconnu qui nous effraie et stimule notre imaginaire. Clécantos, pas ce que l'on connaît. Clay Cantos, si vous retirez votre masque, il se passe quoi? Vous, que va-t-il se passer si je vous retire votre masque? Ne dit-on pas qu'un visage est un masque de comédie sociale? Ah si, absolument. Merci beaucoup, Clay Cantos. Merci. Oserez-vous au Palais des Glaces à Paris jusqu'au 29 juillet? Merci beaucoup, Clay Cantos. C'est bon, hein? C'est la fin de Quelle Époque, saison 1. C'était la dernière émission. Merci Valérie Damido d'avoir participé à l'émission. Valérie Damido s'expo, ça reprend à la rentrée. Bertrand Chameroy, on vous retrouve dans l'ABC tous les soirs à C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine et toute sa clique. Clay Cantos, oserez-vous au Palais des Glaces jusqu'au 29 juillet. Merci Patrice d'avoir été là. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier à tous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans cette aventure un petit peu folle depuis le mois de septembre. C'était un vrai pari et vous avez été au rendez-vous, alors merci. Je vous remercie mille fois, 10 000 fois. Et
s'il ait réussi ce pari, eh bien c'est grâce à toutes les équipes de Quelle Époque. Ils ont bossé comme des fous cette année pour vous proposer une super émission chaque samedi. Et je les appelle tous à débarquer. Un immense merci à mes deux rédacteurs en chef préférés, aux journalistes, à la chef des enquêtes, chef d'émission, super réalisateur. Merci aussi à la prod, à Olivier, à Thomas, à Mathieu, à Bertie, à Carla. Merci à nos maquilleurs, coiffeurs, stylistes. Waouh, ils sont tous là, regardez. Merci aux équipes de France Télé, à Elsa, à Fabienne, à Marie, à Nicolas, à Nicolas, aux autres. Un merci particulier à deux personnes, Stéphane Simon Gomez, et surtout, arrête maintenant. Merci très spécial à mon producteur chéri que j'adore, Régis Lama à Rodin, putain de chier. Il n'y aurait pas de Quelle Époque sans lui. Allez, venez tous autour de moi. Merci surtout à mes trois mecs du samedi soir. Philippe, Paul, je sais pas où t'es, Paul, il est là, je sais même plus. Et merci à mon Christophe. Merci à vous. Merci à vous. Je ne sais pas qui a eu cette idée. Mais qu'est-ce que c'est que ça va ? Sortez couverts, non ? Je vais vous glisser. C'est Christophe. Sortez couverts, non ? Quoi ? Sortez couverts. Ben oui, sortez couverts, évidemment. Sortez couverts, c'est gratuit. Dans les pharmacies, vous criez, sortez couverts. Et vous avez une boîte gratuite. De Quelle Époque, une saison dingue. Pourquoi Quelle Époque? Parce qu'on est sale. Quelle Époque, mais aïe, Quelle Époque, mais aïe, Quelle Époque. C'est du propre, one up, one up, tu suis la main, on fait la main, tu suis la main, on fait la main. C'est relou d'être relou. Mets pas des modes dans les messages où on s'embrouille. Casse pas les couilles, je veux pas ton avis sur tout. D'ailleurs je veux pas que tu m'écoutes. Précède d'arrêter, j'envisage de faire un mytho. Sois tout en dos, shot, remets une couche. Ah, numéro 4 Dangerous. Ah, la mémoire est courte, c'est moi qui ai ouvert l'autoroute. Sam, enfin ça a l'air de tes profs. Pour dire de la merde à tes gosses. Devant la lune en bicross, redis-le. Ça va que de stream, ça va que de kick, ça va que de chiffre, de bénéfice. Bâtard, t'es fan de comptabilité, t'es qu'une merde si tu veux mon avis subjectif. Je vends mes pains d'en dire avec moi, j'en vendrai jamais n'importe quoi. Je veux pas devenir une erreur de jeunesse que tu regrettes quand tu grandiras. Wow, quelle audace derrière ton clavier. Des fois je repense à ceux qui me clashaient. Je veux dire, je me demande où ils sont passés.